Salut tout le monde, bonjour à tous, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous annonce juste qu'on va prendre 2-3 minutes juste pour installer le Discord et la conversation, voir au niveau des micros, régler tout ça, etc. Et puis on sera à vous pour l'entretien de 2 heures avec Guillaume Lapeyre et Alexandre Demacias, directement derrière. Merci à tous ceux qui follow. Je vous remercierai un tout petit peu plus tard, juste avant de lancer l'entretien. Donc juste avant, pendant ce temps, pendant les 2-3 minutes qu'on prépare avec Guillaume et Alexandre, je vous invite à vous abonner au Keep on Dream. Je fais un petit peu de pub, mais à vous abonner bien sûr sur Twitch, mais aussi si vous avez un compte Manga Draft sur Manga Draft. On propose, nous le Keep on, on est un collectif d'auteurs. Donc on publie nos mangas pour l'instant sur Manga Draft. Donc chaque jour, vous avez une série qui a 2 nouvelles planches. Et ça, toute la semaine. Donc pour l'instant, on a 4 séries qui sont publiées chaque semaine. Et dans le futur, début 2021, on aura 6 séries par semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Draft, sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter, vous connaissez. Ou sur Twitch, comme vous le faites actuellement. Donc merci beaucoup à tous. On arrive dans quelques minutes, le temps de préparer tout ça. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à discuter un petit peu. Et puis, on arrive tout de suite. Alors, re tout le monde, normalement c'est bon, vous m'entendez bien. Je vais remercier les derniers follow tant qu'on y est. Donc merci Ayaluna, merci Ombre Doré, merci Anémine, merci Mizubana, merci Mira, Domed, et je crois que c'est bon. Vous les avez déjà entendus pendant 2 heures, mais ils sont là à nouveau. Bienvenue Guillaume et Alexandre. Ah, ils ne mangent jamais assez. Bonjour. Salut, c'est moi. Dites-nous si vous les entendez bien. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Parce que normalement, vu notre grand âge, c'est nous qui devrions voir le sonotone et pas vous. C'est le mec. C'est ça. Le Merci mec. Longdi Samael. Donc aujourd'hui, on les reçoit pour un petit entretien
autour de la sortie des légendaires Saga 2, donc on va forcément parler du manga, ensuite on va parler de leur vie d'auteur, et à la fin, ou pendant le live aussi, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on les transmettra tout de suite. Voilà, Merci. pour moi c'est un peu... C'est vraiment un honneur de les avoir parce que quand j'étais ado, en fin de collège, je lisais City Hall. J'étais un grand lecteur de City Hall. Et donc vraiment, si on m'avait dit un jour que j'interviewerais Guillaume Lapeyre, Alexandre Desmassias, je ne sais pas si j'aurais cru à ce moment-là. Donc voilà. Si je savais que j'allais t'avoir comme lecteur, il y a quelques années. Merci. Je ne l'aurais pas écrit. Ah, tu Dessine-nous. m'étonnes. On les entend bien, ok, on vous entend bien dans le chat, c'est super. Normalement, vous avez des modérateurs aussi qui sont là, qui sont aux aguets. Alors, s'il est sans chiffres et au brognon, les modérateurs, voilà, bah, je pense qu'on peut commencer directement si dans le chat vous êtes prêts, si vous êtes prêts, Guillaume et Alex. Eh ben super, alors on part sur les légendaires saga, donc qui est l'adaptation manga des légendaires, la BD franco-belge de Patrick Sobral. Donc c'est une BD très connue, enfin finie en 23 albums, si je dis pas de bêtises, qui a figuré longtemps dans les top BD, les top livres quand les tomes sortaient. Ça se compte en millions d'exemplaires, hein, pour ceux qui connaissent pas, pour donner un ordre d'idée. La BD franco-belge. Donc c'est une C'est le top 1 adaptation. des... Vas-y, Oui, vas-y. pardon. Non, c'est le top 1 des ventes de livres, tout confondu. Tome 1 des ventes de livres, tout confondu, ça en jette quand même. Est-ce que là, du coup, c'est une adaptation pour le mettre en manga? Est-ce que vous pourriez faire un petit résumé de l'histoire pour mettre tout le monde dans le bain? Alex, tu veux le faire ou je... Non, vas-y, je t'en prie. Ok, alors, les légendaires, c'est quoi? C'est 5 héros qui représentent tous une valeur. Le courage, la passion du manga, tout ça. C'est une blague, bien sûr. Donc voilà, 5 héros de légende qui combattent encore et toujours un méchant qui s'appelle Darkel, qui est un sorcier noir ultra puissant. Et la BD, enfin, le manga s'ouvre avec un énième combat, donc des légendaires contre Darkel. Et il y a un incident, alors ça se passe chez lui dans le château du méchant, et il y a un incident, et pendant le combat, ils font briser un cristal magique qui propage une malédiction sur la planète entière qui fait que tous les habitants de cette planète retrouvent un corps d'enfant. Ils ont tous qui s'appelle la pierre de Jovenia, la pierre de Jovenia, voilà. Ils ont tous la manière de fonctionner des adultes, hein, voilà, mais ils ont tous le corps d'enfant. Et en fait, le peuple mondial accuse les légendaires de cette boulette, quoi. Et du coup, les légendaires vont devoir, en plus de retrouver une sorte de légitimité en tant que héros, continuer, revenir, se réunir une dernière fois. Et essayer de renverser cette malédiction. Évidemment, comme la série principale de Patrick Sobral fait 23 volumes, il ne reste pas sur cette trame-là, mais en tout cas, c'est le début. Il se passe énormément de choses différentes, il y a énormément de personnages, énormément d'arcs différents, ce qui est plutôt rare dans la bande dessinée franco-belge, mais qui n'est vraiment pas rare pour le coup pour une adaptation manga. Il y aura plusieurs arcs dans la série. Bien sûr, en plus de... C'est une adaptation, mais on n'en reste pas au niveau du copier-coller, au niveau de juste mettre un style manga. C'est vraiment, vous avez ajouté des arcs, vous avez ajouté des personnages, c'est ça? Bien Évidemment, on sûr. est tenu de respecter notamment les dialogues, mais à chaque album, il y a au minimum une scène inédite qu'on définit avec Patrick Sobral, l'auteur original, quand c'est pas plusieurs chapitres comme c'est le cas dans le tome 4 que nous préparons. Ok. C'est vraiment de l'enrichissement. Bien sûr. Et profiter du média manga pour pouvoir développer des choses qu'on n'a pas forcément sur la franco-belge. Aussi dans la série principale, il va y avoir une grosse ellipse qui sera comblée dans le manga. D'accord. Et du coup, on en parlait au niveau de. Vu que c'est la série de Patrick Sobral, bien sûr, au niveau de la franco-belge, il y a eu beaucoup de. Pas d'adaptation, mais un petit peu des dérivés au niveau franco-belge aussi. Là, sur cette adaptation, est-ce qu'il est quand même derrière? Est-ce qu'il chapeaute tout ça? Est-ce que vous avez des contacts réguliers avec lui? Oui, bien sûr. Oui, bah oui. Vas-y, vas-y, développe. Non, non, Développe mais comment c'est de travailler avec Patrick Sobral. c'est... Non, mais attention à ce que tu dis.
Non mais ouais, il adapte en général, bah, voilà, les arcs supplémentaires qu'il a pas pu écrire au départ, parce que je pense qu'il y a certaines idées qu'il avait déjà depuis la BD en fait, où il a pas pu forcément s'étendre dessus, donc il en profite, je pense, pour les glisser là. Ouais. Ça passe aussi par de l'échange. C'est vrai que il attend aussi qu'on propose. Donc là-dessus, je sais que voilà, avec Guillaume propose des scènes inédites ou autres, donc bah, soit il valide, soit ça passe, soit ça mérite d'être modifié. Voilà. Donc en général, c'est un jeu de ping-pong un petit peu comme ça, d'aller-retour. Et puis une fois que c'est validé, on est parti. Mais oui, il chapeaute tout, quoi. Les designs, etc., etc. Oui, bien sûr, il est à chaque étape. Ouais. C'est ça. Alors il paraît que c'est avec notre série qu'il est le moins présent. D'accord. Je t'imagine pas les gens qui bossent sur Stories ou Résistance. C'est vraiment important pour lui. Il doit être là partout. Peut-être même qu'il doit dormir avec les auteurs, on sait pas trop. Mais, mais il me semble qu'il est scénariste, non, sur les autres projets. Oui, directement. Et storyboarder aussi. D'accord, ok. Alors que nous, on a la latitude pour faire l'adaptation qu'on veut, ouais. Faire le nombre de pages qu'on veut, la mise en scène qu'on souhaite. D'accord. En fait, de base, on propose toujours notre vision. Quitte à ce que ce soit un petit, des fois à côté complètement du truc, mais au moins on essaie d'apporter vraiment de la fraîcheur au design, à l'environnement et à la mise en scène. Et ensuite on affine avec Patrick, quoi, qui nous envoie toujours des retouches à faire. Ah, les retouches, quotidien hebdomadaire. Non mais c'est super, vous avez la liberté de proposer des idées, et en plus ça vous permet de bien prendre en main l'univers, etc., quoi. Oui, moi aussi, ouais. D'ailleurs, dans la BD, ça marche souvent sur les premiers tomes, c'est en diptyque, donc en deux numéros, les intrigues sont complètes. Puis après, il y a des histoires un peu de cycle où ça va sur quatre albums, ou sur le dernier cycle pour la fin de la BD, c'est sur cinq albums. Est-ce que c'est pareil pour le manga? Est-ce que vous fonctionnez aussi en diptyque ou en cycle, ou c'est vraiment un album, un climax, voilà? On a commencé le 1, 2, 3, c'est un peu ça, parce qu'il n'y avait pas de matière à rajouter vraiment trop de trucs. Ça aurait fait rallonger pour rien. Par contre, à partir du tome 4, on se désolidarise du découpage original de la BD de base, puisque de toute façon, il y a 70% du tome 4 qui est inédit. Du coup, ça rallonge beaucoup, il y a une scène de bagarre entre les légendaires, les elfes d'un côté, et puis un peuple mi-homme, mi-poisson de l'autre côté. Non, c'est pas One Piece, je vous garantis. Les mecs, ils sont chevauchent des poissons, c'est pas eux-mêmes des poissons. Attention, la différence vient de là. Voilà. Donc voilà, on va commencer à se séparer de tout ça, et puis je pense qu'on va enrichir de plus en plus, en fait, sans que ça fasse trop rajouter pour rajouter. Tiens, je le redis une deuxième fois, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. J'ai arrêté City Hall, j'ai pris la décision d'arrêter City Hall parce que j'avais peur que ça s'essouffle et que ça devienne moins bien. Mmh. Et là, l'objectif avec les légendaires, c'est surtout pas qu'on rajoute pour rajouter, tu vois. Ouais, donc voilà. De pas tirer sur la corde, mais que ça rajoute au scénario une valeur ajoutée. C'est ça. On va bosser en arc, et ça prendra le nombre de volumes que ça devra prendre, et voilà. Alors, justement, en parlant de nombre de volumes, vous avez pas peur, là, par exemple, tu disais 70% pour le tome 4 qui est exclusif au manga. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement de dépasser un peu beaucoup au niveau des nombres d'exemplaires la série originale? Ça risque de dépasser un petit peu, ouais. Un petit peu, c'est un euphémisme. Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, on a pas mal de succès. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de bien puissant à faire. Ouais. Je me vois faire... Je pense, vu l'expérience qu'on a du milieu et tout, et comment ça fonctionne, je pense qu'on fera la série complète. Et ce sera minimum 23 tomes, du coup. Mais je tablerai plutôt sur une trentaine. Bien sûr. Voilà. Si c'est pas plus, on verra. Si c'est peu plus. Il y a encore une fois... Bah ouais, parce qu'il y a cette histoire de grosse ellipse vers les trois quarts de la BD, là, qui méritera une attention particulière. Et ça, je peux pas définir à l'avance. On n'a pas encore discuté avec Patrick. De quelle place ça va prendre. Si ça se trouve, ça va prendre une place énorme, et on ne le sait pas encore. Donc c'est difficile de se projeter. En tout cas, c'est sûr que ça fera plus de 1-3 tomes. D'accord. Et du coup, tu parlais de succès pour l'instant pour les trois premiers tomes. Alors je pense que pour le troisième, vous n'avez pas encore les chiffres, bien sûr.
Mais même pas pour. du 2. Non, Mais... non, même pas du 2, juste du 1. On a eu le 1 là, il D'accord. y a quoi, début du mois ou fin du mois dernier. Ok. Et savoir que c'est 6 mois après la. 6 mois après chaque sortie, on a les chiffres, c'est le coup en tout cas. D'accord, Ça fait 6 mois. c'est le moment où la maison d'édition fait les comptes et vous envoie les. Ouais. Et donc, si vous parlez de succès, c'est qu'il y a des chiffres derrière. Est-ce qu'on peut savoir à peu près en nombre d'exemplaires sur le premier tome? Ouais, bah 4, il y a mon exemplaire que j'ai acheté, celui d'Alex, qui est dedans. Et je crois qu'au Borogno, on a pris un, mais je suis pas sûr. S'il était trompé, il voulait acheter One Piece, en fait. Il s'est Non, planté. Kiri, je crois, on C'est en parlait l'autre planté. jour. Non. Oui, c'est 26 000, le vrai chiffre, du tome 26 000, 1. ok. Plein confinement, il est sorti. Donc c'est très très bien. Non, j'aime pas les légendaires. Ouais, il aime Merci, pas. Hugo. Moi non plus, je t'aime pas, de toute façon, tu le D'ailleurs, sais nous non bien. plus, c'est pour ça qu'on vous invite pour en parler. Bah, comme tu disais tout à l'heure, c'est dessiné à l'arc, donc c'est plus compliqué. Donc vous êtes deux sur le manga. Comment vous, alors vous êtes deux et demi avec l'appui de Patrick Sobral. Il envoie des idées, vous en envoyez, il intervient sur les storyboards, etc. Comment vous vous répartissez le travail? On sait qu'Alexandre est plus sur les décors, sur les fonds, etc. Comment vous travaillez tous les deux? Vas-y, écoute, Alex, commence. Eh ben allez, C'est quoi ben, l'origine? on reçoit le scénario de Patrick et on lit la BD originale, déjà, pour s'imprégner et puis pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Moi, en amont de Guillaume, là c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs pour le tome 5, je prépare les décors, qu'il va y avoir tout le listing des décors, parce que je travaille du coup en 3D En sur une 3D, base ouais. 3D, voilà, je sais retravailler à la main. Mais sur une base, sur la base, c'est de la 3D. Donc du coup, tout ça, il faut que je le prévoie avant que Guillaume entame la partie storyboard. Donc une fois que c'est fait, en général, je lui transmets les tout ce qui est voilà, décor et capture d'écran, voilà, pour voir à peu près à quoi ressemble le décor et les environnements. Voilà, c'est ça. Donc à partir de là, il fait le storyboard et les cases, du coup, le découpage des cases. Cases vides, en fait, tu lui envoies cases Voilà, vides c'est et ça. texte. Et les textes, voilà. Donc à partir de là, moi je cale mes 3D dans les cases. Je lui renvoie tout ça, donc les 3D en très basse définition, mais comme ça lui permet de placer les personnages, de Oui. dessiner les personnages et d'ancrer. Moi, Et une j'aime fois bien que mon vous bleu. avez, voilà, J'aime oui, bien tu mon l'as crayon. bien. Bah, vas-y, dis ta Voilà. partie à la limite. Dès que je reçois les crayons, les décors, j'imprime mon bleu sur mes feuilles de papier Kent délétère, quoi. Je fais les crayonnés dessus. J'ancre mon crayonné. Je donne. Merde. Toutes les semaines. Voilà, du coup, j'ai le bras droit hypertrophié par rapport à ça. Tendinite. Ouais. Voilà, je suis très très fort du bras droit. Attention. Ne venez pas me défier en bras de fer. Vous risquez de perdre le vôtre. D'ailleurs, t'es Voilà, champion du monde de combat de pouce, je crois. ouf, champion du monde de combat de pouce, 5 années de suite. Oui, Attention, Gilles. j'ai Attention. étudié le Wikipédia, les gars. C'est quelqu'un de consciencieux, Steve Jobs. Voilà, une fois que j'ai terminé l'ancrage, souvent avec des gens sur Twitch, je scanne en couleur, 1200 dpi, à la vache. Mon ordinateur, il crache toutes ses tripes. Je fais mes petits réglages, on fait et en fait je réinjecte dans les décors d'Alex quoi. Voilà. Et D'accord. une fois que c'est fini, À partir de là, je récupère tout ça, je remonte les personnages sur mes décors et je finis les décors du coup à la main, justement cassant l'aspect 3D. Enfin, je refais mon ancrage quoi, sur les décors et avec les personnages. On ajoute tout ce qui est effet, Ah, finition, voilà. trame, voilà. Et puis là, bah, voilà, les planches sont toutes belles, sont toutes propres. Je les renvoie une dernière fois à Guillaume qui se charge de les envoyer à Patrick pour validation et à l'éditeur. Et puis, Delphine, ouais. D'accord. quand il y a voilà, les dernières corrections, bien sûr. Et puis après, voilà. Est-ce que les trames, tout ça, vous les faites au numérique ou au tradi? Yes. Ouais, non, Numérique. 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 Respect pour ceux qui les font en tradi. Ouais. Mais nous, non, c'est numérique. Ouais, Photoshop. D'accord. Donc c'est tout le temps un travail entre passer du tradi au numérique, du numérique au tradi et revenir ensuite pour envoyer les planches, quoi. Ça. Ouais. Alors, il y a eu un Mais l'idée. petit. Vas-y, vas-y.
Non, non, je dis l'idée, c'est qu'on ait l'impression que tout est fait en tradi. Bien sûr. Après, voilà, je pense que les choses vont évoluer, du moins de mon côté, un petit peu. Prochainement, je vais essayer de me rapprocher, de faire plus de tradi. Dedans. Ouais, j'essaye, exclu, là. Là, c'est exclu. T'es un homme de challenge. Mais ouais, voilà. Bah, c'est déjà des challenges, c'est déjà un challenge. Hein. C'est vrai que là, avec avec les légendaires, ça a été un petit peu un défi aussi à relever, parce que ça sort un petit peu de ma zone de confort, parce que chez Véron, je suis plus typé archi et props. Là, c'est vrai que c'est des décors plus naturels, etc. Donc, ça sort un peu de ma zone de confort, quoi. Il y a ouais. pas mal de choses que j'ai pu tester, que j'ai appris, j'ai vachement appris avec ce tome-là. Donc, voilà, c'est un petit peu défi personnel aussi, quoi. D'accord. Et tiens, on a une question d'Ombre Dorée. Pourquoi les titres Saga pour l'adaptation? C'est Patrick qui a décidé, donc il faudrait lui poser la question à lui. C'est vrai, pourquoi Saga? Pourquoi pas okay. Légendaire Aventure? Je vais lui envoyer ouais, un petit texto, alors. Il n'a pas de téléphone mobile. Donc, je vais lui envoyer un mail, mais on risque pas d'avoir la réponse tout de suite. C'est vrai, c'est une question à lui poser. Je lui poserai ouais. la question. C'est vrai que j'ai accepté ça, parce que Patrick et l'éditeur ont dit bah ça s'appellera Légendaire Saga, bon ben bah, ça avait l'air décidé donc. D'accord. Voilà. On a une autre question aussi. Il faudrait absolument que je t'interroge sur Alexandre, sur ta carrière de doubleur voix sur la série Le Donjon de la Lune. C'est au beau, ça je suppose, ou sans chiffres. Oui, ouais, c'est au beau, ça. Voilà. Voilà. On a eu d'ailleurs le jeu est sorti avec pas mal de doubleur voix, pas mal de gens qui font des voix aussi. Je pense au youtubeur Bob Lennon, tout ça. Ah. Mais t'es pas crédité, il me semble. Non, là c'est la blague, c'est l'imitation amateur, on va dire, l'amateur éclairé. Merci Shindo pour le follow, pardon. Et donc tu disais, Alexandre, que c'est vraiment un défi aussi, un challenge pour que tu progresses personnellement. Est-ce que toi, Guillaume, aussi, tu t'es mis des défis en avançant sur cette série? Ah oui, moi, travailler avec Alexandre, c'est aussi un challenge. mec, mais c'est pas possible. Il sait pas se tenir. C'est un challenge de tous les jours, il faut le savoir. C'est compliqué, hein, quand on passe de tout seul avec Alexandre. C'est compliqué, donc il faut s'adapter. Non, enfin, je dessinais pas beaucoup d'enfants, hein, parce que j'ai fait du shonen ou du seinen, quoi. Mais j'ai pas dessiné beaucoup de jeunes enfants. Du coup, ça a été galère au début de trouver le bon gabarit, on va dire, pour les corps. Et Patrick, il m'a fait reprendre quelques dessins, surtout au début des chapitres, des premiers chapitres du premier volume, parce que j'arrivais pas encore à choper ce qu'il voulait au niveau des proportions. Quoi. Ouais, les proportions. Et là, de temps en temps, quand je me laisse un petit peu aller, que je suis fatigué, tout ça, j'ai tendance à les grandir un peu, et ça m'ennuie, tu vois, ça fait trop ado, tout ça. Donc du coup, je me retrouve avec une sacrée pelletée de trucs à modifier. Mais bon, c'est pas grave, c'est la seule difficulté que j'ai eue, vraiment. D'accord. Parce que je suis un professionnel. Bien sûr. Donc, je fais fi des difficultés. On a Ludo qui nous pose une question. Votre avis sur l'animé des légendaires, donc qui est, lui, adapté de la franco-belge? Yes. L'animé des légendaires, c'est une catastrophe. Ouais, adapté et non adapté, en fait. Hein. C'est adapté du nom, parce que c'est vrai qu'après, ouais, l'histoire est... C'est pas pareil, quoi. Après, bon, c'est suivant. C'est pareil, c'est des contraintes imposées par les commentaires entre toi et TF1, quoi. Ouais. Aujourd'hui, il faut savoir que, voilà, dans l'animé, bon, après, c'est pas moi qui en parlerai le mieux là-dessus. Je pense que des gens comme Sylvain Dos Santos parleraient, je pense, nettement mieux que moi. Mais c'est vrai qu'on avait eu à avoir la discussion sur un live un jour, et c'est aujourd'hui les chaînes. Ne veulent plus d'épisodes forcément feuilletonnants. Ouais, donc pour ça, faut inventer des mini-intrigues, etc. Même si il va y avoir une pseudo-trame de fond, faut que les chaînes puissent diffuser ça dans l'ordre qu'elles souhaitent, etc. En désordre même des fois. Donc du coup, voilà, là c'était compliqué, je pense. Je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que Patrick n'était pas aux manettes. Pas la main, rien. D'accord. J'ai le même exemple, mais il me l'a sorti, il me l'a dit, donc je peux le citer. Par exemple, pour TF1, les cheveux de griffe, ils étaient trop pointus et ça fait peur aux enfants.
Voilà. C'est ce genre de limitation un peu nulle. C'est... Et il y en a des wagons, quoi, pour TF1. Il y en a des wagons, ce truc-là. C'est Golden Royal qui gère la programmation. Quasiment, quoi. Non. Ah non, surtout pas de combat, c'est violent pour les enfants. Les chemins de qualif sont trop agressifs. Des retouches sur des décors, les tours comme ça, là, où c'est pointu, ah là là. Au bout d'un moment, Patrick, il fait, bah, laisse tomber, faites comme vous voulez. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il a voulu écrire les scénarios, et ben non, TF1 a dit, c'est moi qui paye, j'engage des gens, il a plus rien dire sur les histoires, donc je comprends la déception pour les fans des légendaires. Voilà. J'en profite pour remercier... Ce gars est là pour... Ouais, justement, j'allais en parler. Juste avant, je remercie Yemetis pour le follow. Mais justement, aujourd'hui, t'as commenté sur un truc de Netflix pour avoir l'animé de Saga. Nous, le public qu'on a souvent, on aime bien la propagande, donc n'hésitez pas à répondre en masse et à leur faire croire qu'on est des milliards. Tu vois, ça va partir d'une grosse blague. Pour mettre au mieux, ils vont voilà. Ils vont nous remarquer. Donc les modos, enfin, n'hésitez pas à mettre le lien du tweet, hein, et on va RT ça en masse. Merci beaucoup. Ce soir, dans le top 1 Twitter, François en TT. Les légendaires saga en TT, c'est parti. Je veux que de la 2D, hein, attention, que de la 2D, un générique rock jap qui défonce, c'est pas, bien sûr. Et voilà, feuilletonnant, et je veux qu'Alex il fasse une voix dedans, je veux qu'il fasse la voix de Razia. Voilà. Sinon, on le fait pas. Ouais, droit de veto. Alexandre, d'ailleurs, ce que tu disais, ça me faisait penser au truc que les séries soient pas feuilletonnantes et que ça soit un truc qu'on puisse regarder dans le désordre comme Sister balance un peu les épisodes de Kaamelott dans le désordre aussi. Ça me fait penser à ce qu'avait dit justement Alexandre Astier, au fait que lui, la commande que je crois que c'est M6 à l'époque pour Kaamelott lui avait faite, c'était pareil, c'était des épisodes de... Alors je sais plus exactement le format, 6 ou 9 minutes, mais qui devaient tenir sans forcément de cohérence entre les épisodes d'une même saison pour qu'ils puissent les balancer n'importe quand. Et qu'en fait, lui avait dû complètement se triturer le cerveau pour essayer de mettre une trame en fond sur ça, pour que, au final, c'est la trame qui prenne le dessus, puisqu'il fait des films et c'est lui qui a raison derrière. Donc c'est vrai que les chaînes de télé, c'est assez compliqué là-dessus. Après, voilà, c'est... Malheureusement, je pense que c'est ce qui finira par causer leur perte, hein, parce que il y a des gens qui, voilà, comme Netflix ou autre, hein, entre autres, on va citer Netflix tout à l'heure, hein, eux, voilà, ont besoin de contenu, sont à la recherche de contenu. Et justement, il y a plus de possibilités déjà de faire quelque chose de feuilletonnant, de faire voilà, des séries comme on a pu les connaître dans les années 80 ou 90, voilà, des séries qui se suivent. Et, voilà, je pense que voilà, donc, là, si les chaînes de télé continuent de s'enfermer dans ce genre de modèle-là, malheureusement, voilà, avec la concurrence de ce qui est à côté, bah, je pense qu'à un moment, c'est compliqué. Ça va être compliqué, je pense. Vous avez parlé de Sylvain Dos Santos, donc on va reparler de lui aussi après dans votre parcours parce qu'il a travaillé avec vous sur plusieurs projets. En ce moment, il a sorti Droners, le dessin animé. Est-ce qu'il a connu les mêmes difficultés ou pas? Moi-même, je ne l'ai pas regardé, donc je ne sais pas si c'était là-dessus. Ou est-ce qu'il arrive à mettre une trame quand même derrière? Figure-toi qu'il a réussi à imposer avec Droners, je crois que c'est la première mondiale, à TF1, parce que c'est chez TF1. Il a réussi à avoir du feuilletonnant. D'accord. Donc voilà, Droner, c'est à suivre. Ouais. C'est tous les dimanches matin, je crois. Il n'avait pas trop le choix non plus. Je pense qu'il n'avait pas trop le choix non plus au niveau de son intrigue. Voilà, je pense qu'il fallait que ça soit feuilletonnant, quoi. Bien sûr, parce qu'après, derrière, il y a le manga qui va arriver aussi. Aussi, ouais. Oui. Donc, qui sera dessiné par. Je ne sais plus. Oui, moi aussi, j'ai le. Nicolas David, non? Nicolas David, qui a dessiné les cases. Yes. Les légendaires saga, c'est mieux que les légendaires Julie Lescaut. Est-ce que, en parlant de difficultés, justement, là c'est sur le dessin animé, vous vous êtes pas dessus, mais au niveau du manga, est-ce que vous avez eu des difficultés, que ce soit sur l'adaptation ou sur les personnages, ou je sais pas. Donc tu parlais des proportions, mais des choses dans ce genre-là. Qui sont un peu des fois difficiles à respecter parce que j'ai pas forcément ce style. Maintenant, c'est le contraire, j'arrive plus à dessiner des adultes. Comment ça m'y faire?
Voilà, sinon, après, ouais, c'est pour, moi, ça a été pour les décors surtout, parce que là, je suis arrivé en cours de route. Moi, je suis arrivé au tome 4, du coup. Ouais. Et c'est vrai que il fallait, bah, il faut en même temps, d'habitude, j'ai plus l'habitude d'avoir un petit peu carte blanche et de le faire à ma patte, à ma sauce. Là, du coup, il a fallu adapter ce qu'avait fait Guillaume précédemment. Ça ressemble quand même, en tout cas qu'on ressente la même ambiance, qui était déjà déclinée du travail de Patrick. Donc j'ai dû essayer de trouver une juste balance entre un petit peu ma touche perso, ce qu'avait fait Guillaume, et l'essence de ce qu'avait fait Patrick sur la BD originale, quoi. C'est vrai que ça a été un petit peu, même encore, hein, sur certains décors, là, je sais que le tome 5, je regarde un petit peu les décors encore en disant, oula, comment je vais faire. Mais voilà, c'est un petit peu la difficulté, mais bon, voilà, ça serait pas mal s'il n'y avait pas un petit peu de difficulté. Quoi. On sait tous qu'au final, les trois premiers seront mieux, donc voilà, aucun problème. puis, comme tu disais, ça s'améliore de tome en tome, parce que tu arrives encore mieux à gérer les... Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas si dans le chat vous avez des questions au niveau des légendaires ou du tome 3 qui vient de sortir. Moi, cette idée de sur le scénario, hein, des adultes qui deviennent enfants, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça me fait penser à la série Autre Monde de Maxime Chatham. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je n'ai pas lu, mais je connais le pitch, ouais, effectivement. Et en fait, c'est un peu, c'est pas du tout pareil. Enfin, je crois, parce qu'il y a beaucoup plus de d'écologie, etc. dans le dans les bouquins de Maxime Chatham. Mais ouais. sur le pitch de départ, c'est une grande catastrophe qui vient sur la Terre et qui transforme les adultes en espèces de, je sais pas si on peut dire monstres, mais un petit peu comme ça, très 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 premier degré, très animaux, et puis les enfants, eux, sont les seuls à résister à ça, et donc c'est eux qui vont gouverner le monde, etc., quoi. Yes. Ouais, les légendaires, c'est clairement de la fantasy, tu vois. Donc, ouais, donc on reste dans ce spectre là. Alors, je suis un peu à la traîne sur le projet en lui-même, mais vous reprenez la série depuis le début, ou c'est une suite... Bah, on a répondu tout à l'heure, c'est depuis le début. Et ils ajoutent des arcs, des développements de personnages, etc., inédits. Je crois que je ne me trompe pas en disant ça. C'est ça. On a dit tout à l'heure. J'ai une assez bonne mémoire instantanée. L'ellipse qui sera comblée sera celle d'Anatos, nous demande Samaël. Légendaires savent déjà. Ils connaissent la réponse en posant la question. Ok, donc est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai fan ou pas ? Oui, je pense que Samuel, oui, Samuel, c'est le un personnage très important de la suite, donc oui, c'est un vrai fan, donc Samuel. Ok, donc on va pas le ban. Non. C'est très dommage. Je sais pas si, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, sinon on va tranquillement se diriger vers la deuxième partie de cet entretien. C'est très bien, une partie, une demi-heure. On va passer sans doute un peu plus de temps sur la deuxième partie. Oui. Est-ce que vous avez des annonces, des anecdotes à nous dire sur, par exemple, je sais, alors par exemple, tiens, ce serait marrant de l'entendre celle-là. Quand j'ai lu pour préparer l'entretien, j'ai lu différentes interviews que vous donniez. Tu disais que tu voulais bosser avec Alexandre sur un projet, que c'était lui qui t'avait dit directement, si un jour tu fais les légendaires, je suis là, c'est ça ? Ou je me trompe totalement ? Ouais, bah non, je crois pas. Okay. Je sais pas, d'abord, qui c'est Alexandre, je le connais pas. Qui c'est ? C'est pas possible. Oui, si, si, ah, si, si, oui, sûrement, enfin, oui, si, si. Non, non, moi, le vrai plus tard. Je suis vraiment crevé. Hein. On est en bouclage. Hein. On a fait... Ouais, désolé. Des pastilles, s'il vous plaît. Non, en vrai. Pas de soucis. Vite un peu de café. La véritable histoire, c'est que je suis en dédicace dans la ville de Patrick. Ouais. Et bon, Patrick, je le connais depuis quasiment mes débuts. Hein. Ça fait très très longtemps. Le milieu de la BD est assez petit. Donc on avait bien accroché. Voilà. Il m'avait déjà proposé les légendaires Origines, qui était la première série dérivée. Des légendaires, j'avais refusé pour pouvoir faire City Hall. Je ne pouvais pas faire deux trucs en même temps, de cette ampleur-là. Et donc, du coup, voilà, j'avais refusé.
Et un soir, après les dédicaces, on se retrouve tous, généralement tous les auteurs, à manger à la même table, ou dans la même pièce en tout cas. J'étais à la table de Patrick Sobral et il y avait aussi son éditeur Thierry Jor, que je connais pareil depuis longtemps, parce que j'ai démarré chez eux avec lui. Si je peux me permettre, manger tous dans la même salle, à ne pas faire à la maison en Covid. Évidemment, attention. Oui, et donc, je sais pas pourquoi, Patrick, il parle de sa passion pour le manga et qu'il est un peu frustré parce que même si ça ressemble quand même pas mal du manga, les légendaires, il aurait aimé que ça ressemble davantage, etc. Et puis, je sais pas, moi, j'étais en train de manger mon plat et tout à coup, je lève la tête, il y avait Elsa à côté de moi, mon épouse, là, d'avance, et j'interromps tout le monde et je dis, mais si tu veux, je te le fais ton manga. Alors là, gros silence pendant 2-3-4 secondes. Là, moi, je me dis, j'ai dit une grosse connerie parce que tout le monde me regarde. Et là, Patrick, il fait, mais c'est une super idée. Et t'as l'éditeur à côté qui fait, mais c'est génial. Et t'as les libraires qui sont autour, ils font, mais c'est super. Ah, merde. Bon, j'étais en plein, je sais plus ce que je faisais. Entre le fromage et le dessert, les chéquiers sont sortis. Ouais, non, mais oui. Mais en fait, il s'est passé 3 ans et demi, 4 ans depuis que j'ai proposé ça jusqu'au moment où on l'a fait. Et ouais. Après être passé par... ben, la fin de City Hall, le Kana, Tsume, etc. Ouais. J'ai rappelé Patrick innocemment en me disant bon, là j'ai plusieurs propositions. Est-ce que éventuellement les légendaires saga, ça te. Enfin, saga, ça s'appelait pas saga à l'époque. Les légendaires en manga, est-ce que ça te dit toujours? Il me dit oh oui, bien sûr, genre 3 ans et demi plus tard. Et je peux vous garantir qu'en une semaine, les contrats étaient chez moi. Ouais. C'était fait. Donc c'est un truc qu'ils attendaient de fou, quoi. Ouais. Et voilà, ça se fait innocemment comme ça, en fait. Ça se fait de la manière la plus improbable possible, quoi. Et bien évidemment, moi, j'ai commencé tout seul, puisque Alex était encore chez Tsumi à cette époque-là. J'étais parti avant lui. Et j'ai fait mes 3 bouquins tout seul. Et quand même, mon bro, il me manquait, donc... dès qu'il y a eu l'opportunité de... La bromance du manga. L'avoir. La bromance, voilà. Non, mais, voilà. C'est quelqu'un d'extraordinaire, qui est très compétent et très... Voilà. Il râle beaucoup, mais ça fait partie aussi. Les défauts font partie aussi de son charme. Et donc, bah, j'ai appelé les éditions Delcourt pour savoir si, de comme par hasard, ils voudraient bien financer une petite aide pour moi. Ils m'ont dit, d'accord, mais tu nous fais 3, voire 4 bouquins par an avec lui. J'ai dit, bah, d'accord. Et aujourd'hui, elle est en limite. Et aujourd'hui, bah, alors, j'ai, dans 2 ans, c'est 20 ans de carrière, et j'ai pas une seule tendinite, et j'ai toujours pas mal aux mains. Par contre, le dos, le dos, moi. Mais j'ai une meilleure posture. C'est les postures. C'est juste une histoire de posture, c'est ça. Ouais. Dans le nid, ça va, ça va. Donc voilà. Voilà la vraie histoire. Donc allez-y, les jeunes. Allez-y au culot. C'est très important. Shindo qui nous demande à quel personnage des légendaires vous identifiez-vous le plus et pourquoi. Quel si je serais le maître du monde, je suis très méchant. Ouais. Moi, je sais pas. Ouais, après, j'ai pas encore lu toute la série. Pas non plus me spoil. J'aime bien, on aime bien, même Guillaume, on aime bien découvrir au fur et à mesure, se garder la surprise, en fait. Yes. Donc, pour le moment, c'est vrai que sur les personnages, j'aime bien Elysio, moi, je trouve qu'il a la classe. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il paraît que quand Alexandre se réveille le matin, il a la même coupe qu'Elysio. C'est ça, exactement. Ouais. Surtout en ce moment. Là, c'est un peu la catastrophe capillaire, là. Donc, genre, voilà. Le confinement est passé par là. En fait, Oboronion, c'est un fan niveau 1, tu vois, mais niveau supérieur 1. Mais il a pas lu les légendaires, tu vois. Il est là depuis le début de Twitch. Mais c'est ça. En fait, ça fait pour moi, il sait pas de quoi on parle. Ça, c'est... Vous pourriez faire du jus d'orange toute la journée. C'est ça. On veut une photo. Ah, je crois qu'il y a la photo de la coiffure. Bon, bah super. Je pense qu'on peut que ça nous fait la transition pour la deuxième partie. Je suis là parce que j'aime le talent et l'intelligence. Il est gentil. Bah du coup, on va passer à la deuxième partie. Alors, pour les images, n'hésitez pas dans le chat à me dire de les changer plus souvent. J'oublie un peu, des fois je les laisse et je regarde les questions et je les change pas. Là, je vais les changer un peu plus souvent parce qu'on va parler sur des différents mangas sur lesquels vous avez bossé, pas que les mangas.
Est-ce que vous pouvez, alors pareil, n'hésitez pas à prendre le temps hein, à nous faire un petit récap de votre parcours qui est chacun très différent. Et donc à nous dire ça comme vous voulez, l'un après l'autre. Ou les deux ensemble, ça risque d'être un peu compliqué à comprendre, mais si on en suit une voix, normalement ça devrait être bon. Vas-y, je te laisse commencer. Non, vas-y, je t'en prie. C'est vrai, c'est moi le plus vieux, c'est ça. Bah, j'ai 42 ans, malheureusement. Voilà. Donc, j'ai commencé assez jeune. J'ai commencé en 2001, aux éditions Delcroix, avec de la bande dessinée franco-belge, puisqu'à l'époque, le manga français, c'était assez confidentiel, on éditait en tout cas, édité pro. Il devait y avoir Monkey et Renaud Lebert, c'est tout. Ce genre de choses. Et bah comme personne ne voulait et que j'y croyais pas trop de toute façon, il a bien fallu te la faire, donc j'ai commencé avec de la BD franco-belge. Je ne regarde absolument pas cette période, hein, c'était très formateur et je me suis régalé. Mais à moins que le sujet vraiment me botte, je pense que je ne reviendrai jamais vers la BD franco-belge. Je resterai sur du manga jusqu'à la fin. Bref, et pourtant voilà, j'ai grandi avec du manga et non pas avec de la BD. J'ai commencé avec les Chroniques de Magon, une sorte de BDSF, art d'SF. Il se passait dans un univers gelé avec des monstres et une quête métaphysique du héros, à peu près de la BD franco-belge, quoi. J'ai poursuivi avec Ether, avec le même scénariste, Nicolas Jarry. Ça a très très peu marché. C'était de la science-fantasy, genre Final Fantasy 7, peut-être pas 7, 12. Oui, genre Final Fantasy 12. Ouais. Des vaisseaux avec des dragons, quoi. Voilà. En gros. Ça n'a pas beaucoup fonctionné. Ensuite, j'ai changé de scénariste. J'ai rencontré Rémi Guérin, pareil, dans un festival de BD. Qu'est-ce qu'on rencontre comme gens dans les festivals de BD, en fait? Qu'est-ce qu'on mange, surtout? Tu mangeais, ouais. Ah ouais, lui, il était commercial dans la BD. Et il avait envie de faire des scénarios. Et il a trouvé en moi le compagnon idéal, puisque j'étais de tout dessiner, sauf les animaux, il faut le savoir. Je ne sais pas les faire. Je n'ai jamais pris le temps d'apprendre à les faire. Dès qu'il y a plus de deux pattes, c'est compliqué, quoi. Ah, c'est très compliqué. Chaque cheval ressemble à une vache. C'est affreux. C'est vraiment affreux. Et avec lui, j'ai fait Explorers, qui est à l'écran, là. En petit, mais... Voilà. Aux éditions Soleil. Et alors, écoutez, quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est une chasse aux fantômes, en fait. C'est l'ébauche de City Hall. En gros, on a cinq jeunes qui vont passer Halloween dans un manoir hanté. Ils trouvent une table de Ouija. Donc, la table avec les lettres et le curseur, là, qui se déplace quand il y a des esprits. Ils appellent un esprit hyper puissant qui jette un sort à la tablette de Ouija qui fait échapper toutes les lettres de la tablette dans la bibliothèque du manoir. Et ces lettres vont se cacher au cœur des romans. Mmh. Ces lettres sont des fantômes qui vont devenir des personnages, donc du coup, supplémentaires par rapport à l'histoire originale, qui vont foutre le bordel dans l'histoire originale d'ailleurs. Et Jack O'Lantern apparaît, l'esprit d'Halloween, et leur dit à ces cinq jeunes « C'est vous qui avez fait la boulette, hein, je vais vous donner des pouvoirs et vous allez aller dans les romans, réparer votre erreur. » Débusquer le fantôme, c'est généralement le personnage en plus, ou c'est l'événement de trop, on va dire. Le combattre, façon X-Men, puisque Rémi est fan de comics. Ouais. Et sortir avec cette lettre, ce fantôme, et le remettre tranquillement sur le Ouija. Super, super idée, très bel univers, le dessin était plutôt pas mal pour l'époque. Je préférais ça aux Chroniques des Magons, par exemple, au niveau du style. Mais clairement, c'est pas le genre de BD que le public franco-belge aime. Ouais. Donc du coup on a fini avec 500 exemplaires, un truc comme ça, pas plus quoi, 498 de mémoire. D'accord. Donc du coup on s'est fait jeter chez Delco. Et quand on connaît Rémi Guérin, histoire de ouais. Détective et littérature, c'était déjà les bases de tout son univers, quoi. Oui, parce que le premier c'est Sherlock Holmes, ils vont dans Sherlock Holmes. Le second, ils vont dans L'île au trésor, un truc qu'on n'a pas fait dans City Hall, mais Stevenson. Voilà, c'est ça. Et le troisième c'est le 20 milieux sous les mers. Donc ouais. Il y avait déjà Jules Verne, Conan Doyle à cette époque-là. Et donc là, une question se pose, quoi. 500 exemplaires, ça fait quand même mal. On se dit, bon, est-ce qu'on est vraiment fait pour ça? Ou est-ce que, en fait, le public qu'on cherche, il n'est pas là, il n'est pas à l'endroit où on est? Avant de m'inscrire à Pôle emploi, je lui dis, écoute, on va... non, mais c'est vrai. La veille de mon rendez-vous. Ah, c'est clair, c'est clair. Non, rigolant, mais à l'époque, je rigolais pas du tout. Hein. J'étais vraiment... en train de me ronger le sang, de devenir caissier au champ. Voilà. Bon, bref. On se dit, bon, on va faire une dernière salve de projet, et puis, à quel âge Guillaume a signé son premier contrat? À 21 ans. Bah, j'étais jeune, la moitié de maintenant, dis donc.
C'est fou. C'est fou. Voilà. Alors, on va faire une dernière salle de projet d'édition. Puis on va bien voir. Si, par contre, je lui dis Rémi, je suis désolé, mais si on n'arrive pas à signer quoi que ce soit, j'arrête quoi. Ouais, t'étais prêt à arrêter. Oui, j'étais un peu dégoûté et tout. Bon. Et on a développé 5 projets, dont un était en manga et l'autre était en comics. Donc grosse pagination. Parce qu'on s'est dit, puisque le public franco-belge ne veut pas de nos histoires, nous on a besoin de place. On va faire. Moi je suis fan de manga, lui de comics. On fait un projet au format comics, un projet au format manga. Okay. Je pense qu'il a accepté que City Hall soit au format manga, parce que je pense très secrètement, s'il ne me l'a jamais avoué, mais je pense très très fort que lui pensait que c'était son projet qui allait être pris, tu vois. D'accord. Et moi je pensais que c'était City Hall. C'était excuse-moi du mot, mais c'était couillu comme choix et comme pour un dernier projet, tu voulais vraiment. Enfin, vous avez étudié toutes les pistes, quoi. Ouais, c'est ça. Autant c'est la dernière chance, autant faire vraiment ce qui nous fait kiffer. Donc allons-y quoi. Et puis 3-4 projets classiques franco-belge au cas où tout ça ne marche pas. Et donc nous voilà, on voulait, mais on ne sait plus quelle année, à enchaîner les rendez-vous. On poursuit les gens dans les salons. À un moment donné, on a un rendez-vous avec Pika parce qu'il y a Rémi Guérin qui gueule dans toute la bulle New York. Et on fait 3 pages par jour. Le mec il se retourne, il décroche son téléphone, il fait ah, il faut aller voir ces petits jeunes là. Allez voir. On est tout de suite. Faut manger avec eux, quand ils mangent, ils ont des idées. C'est ça. Alors que pas du tout, hein. C'est ça. On dessinait pas 3 pages par jour, mais bon, bref. Voilà, et personne n'est intéressé par City Hall, personne n'est intéressé par le projet comics. Il s'appelait Adventure Inc. Et là, c'est la loose, quoi. C'est la loose. Tout le monde nous dit, non mais ça c'est très bien, City Hall c'est très bien, hein, l'idée vraiment bien, mais faites-nous un projet de bande dessinée. Le manga français, ça se vend pas, arrêtez, quoi. Et pourtant, on va voir Ankama, Pika, Kana... Glénat, même si on n'a pas envie, on y va quand même. Voilà, parce qu'il faut taffer. Il se passe 3 mois. Je suis vraiment à 2 doigts de passer mon premier entretien chez Pôle emploi, quoi. Mm-hmm. En Kama rappelle et dit, on le fait. Et là, libération. Voilà, donc City Hall, 7 volumes. Gros succès. Bah ouais. C'était le projet de la dernière chance. On connaît. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Après, je vais te passer la main à Alex, puisque c'est des projets auxquels tu as participé. C'est à peu près le moment où Alex arrive aussi dans le projet, donc comme ça, on voit ce qu'il a fait avant jusque-là aussi. Yes. On va faire court sur ce qui s'est passé avant. Hein. Guillaume dessine depuis qu'il est jeune, donc c'est un petit peu pareil. Moi, je suis issu d'une formation art appliqué. J'ai poursuivi sur des études de graphisme, pour être graphiste. Mais j'étais toujours... C'est pour être quatrième. Voilà, c'est ça. J'étais toujours intéressé par la 3D, attiré par la 3D. Du coup, j'ai poursuivi sur des études de multimédia, de web design. Là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a formé à la 3D. Du coup, j'ai monté rapidement mon studio, mon propre studio de motion design et de création 3D du coup. Donc j'ai fait ça pendant 12 ans quasiment. Et puis c'est vrai que sur les derniers projets, ça devenait compliqué en plus. On passait sur une période économique qui était aussi un petit peu tendue. Du coup, j'ai découvert City Hall à ce moment-là. Parce que je suis un grand fan de Steampunk. Et quand j'ai vu grand fan de manga aussi, quand j'ai vu qu'il y avait un manga qui sortait sur le steampunk, j'ai fait voilà. Donc du coup j'ai découvert un peu Guillaume comme ça. Je ne l'ai pas découvert avec Explorer, j'ai découvert avec City Hall sur le tas. Et du coup, j'ai avoir lu le tome 1, j'ai fait beaucoup, quoi. Je très inspiré, j'ai fait de la 3D du fan art en fait sur un papercut. Voilà, le papercut, les drones. Le papercut animé, quoi. Du Big Eye, etc. Ah oui, voilà, j'avais animé le Papercut en plus. Ouais. Et donc, du coup, c'est Rémi Guérin qui m'a remarqué sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est même pas moi, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Comme je suis. Et donc, du coup, voilà, je bossais aussi sur un projet, qui est encore dans les tiroirs, hein, ma foi, on verra si ça sert à quelque chose un jour ou pas, qui était aussi Steam.
Donc voilà, de fil en aiguille, on en a parlé avec, avec Rémi, qui m'a présenté du coup à Guillaume. Et du coup, qu'est-ce qu'on avait fait, on a joué ensemble, on a joué aux jeux vidéo ensemble. Ah oui, c'était l'entretien d'embauche. Voilà, c'était Left 4 Dead à 22h. Voilà, c'est fait sur Left 4 Dead, voilà. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et du coup, voilà, on a vu qu'on avait à peu près le même humour pourri, que ça fonctionnait pas mal. Donc voilà, il m'a dit, ouais, tu fais de la 3D, machin, et est-ce que tu serais capable de faire, faire la même chose avec les décors, mais en... comme si c'était du manga, quoi. Donc sur le coup, je fais, bah, je sais pas trop. On va voir, ouais, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais après, je sais pas si j'en suis capable, machin. Donc on a gratté, on a détourné des fonctionnalités du logiciel, etc., pour arriver à quelque chose qui ressemblait à du manga. On affine toujours, d'ailleurs, la technique s'affine toujours. Et puis du coup, bah, il m'a dit, bah, écoute, je suis un petit peu en retard sur... sur le chef, sur le tome 7 de City Hall. Donc est-ce que tu veux bosser sur est-ce que tu veux bosser dessus, m'aider sur les décors du tome 7, quoi. Donc là, oh, wow. Truc de fou. Voilà, donc du coup je c'est là-dessus, et puis vu que ça s'est bien passé, derrière du coup il m'a présenté, il y avait Boosters qui était dans les cartons avec Sylvain et ouais. Toujours prêt. Et donc du coup on est parti sur Booksters. Donc avec cette nouvelle méthode, on a enchaîné après Booksters sur bah oui, la brigade temporelle chez Encadreur. Question à la continuité du l'histoire du futur. Du l'histoire du futur, c'est ça, un spin-off. Ouais. Et puis du coup suite à ça, on est parti chez Tsume pour faire Imperium Circus. Donc Guillaume a quitté le projet avant. Je l'ai suivi cet été. Puis, il avait commencé les légendaires, et donc du coup je l'ai rattrapé sur le top 4 des légendaires, et nous voici ensemble. Voilà, la Dream Team. La boucle est bouclée. Voilà. Donc t'es passé de fan à assistant, quoi. À collègue. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. C'est plus un collègue parce qu'il a des droits sur les séries, sauf aux Booksters, ils n'ont pas voulu. Mais sinon, sur toutes les autres, c'est un auteur. Bien sûr, mais. J'ai statut d'auteur. Je voulais dire pour City Hall, quoi, au départ. Ah oui. Sur City Hall, il n'a pas lui filé des droits. Ce gars, Okama, il n'était même pas au courant que j'avais bossé sur le tome. C'est une fois que ça a été fini où Guillaume a dit, ah, en fait, faut que je me dise, hein, mais. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Voilà, c'est pas moi qui l'ai fait, ça. Donc, travail voilà. Dissimulé. Oui, dissimulé, quand même. Oui. Pénélope oui, voilà, Fillon de Macias. C'est ça. bah, super. Du coup, ouais, non, ça avait été la grande chance quand même. Ça a été la grande chance. Et, j'avais eu la fin de City Hall avant tout le monde, quoi. Du coup, c'était ah mais ouais, mais ah. Donc ouais, non, c'était. Après, voilà, j'ai fait aussi. Je pensais pas que ça aboutirait jusque là. Hein. Franchement, voilà, j'ai fait du forçage. J'avoue, j'ai forcé. Hein, c'est très voilà. Bien, il faut le faire. Sur les réseaux sociaux, ça a vraiment été du culot, hein, avec les 3D, le paper cut et tout. Ouais. Vraiment, j'y suis allé au culot pour dire « Hé, je suis là, regarde, hé !» Voilà. Donc Rémi a attrapé l'hameçon comme ça, et au passage, hop, j'ai eu deux poissons pour le... Un mec. Belle métaphore. Voilà, non, c'était du forçage, mais bon, voilà, ça a marché. Donc, c'est cool. Ouais, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume, il faut y aller au culot, en fait. Je pense que le milieu est assez difficile et assez fermé pour que si tu attends qu'on vienne te chercher, je pense que tu peux attendre longtemps. Ouais. Voilà. C'est bien de poster des trucs sur les réseaux sociaux, mais il va falloir à un moment donné que tu ailles au contact. Ouais. Bien sûr. Mm-hmm. Bah, je crois qu'on en parlera après. Je crois que ouais, on va revenir dessus ouais. Tout à l'heure. Au niveau du parcours, je regarde mes notes, mais je crois qu'on est pas mal. C'est vraiment marrant cette notion de finalement c'était ton dernier toi Guillaume, c'était ton dernier projet avant d'arrêter, et finalement c'est devenu ce qui fait ta vie aujourd'hui, quoi. Et donc t'as réalisé ton rêve, entre parenthèses, quoi. Toute modestie, c'est mon final fantasy.
fantasy à moi, évidemment en toute modestie. Alors j'ai regardé le, parce qu'il y a Durandal, je crois, qui a fait une vidéo de sur les jeux et leur rapport au cinéma. Et il disait que dernièrement, le réalisateur de la série disait qu'en fait, c'était peut-être une histoire inventée et qu'ils n'étaient pas si en déficit que ça, etc. Donc je suis désolé de casser le mythe. Aïe, aïe, aïe. C'était la désillusion. Et d'ailleurs, j'ai lu dans une interview aussi que tu donnais, alors je ne sais pas encore une fois si c'est modifié par le journaliste ou pas, mais tu disais que tu rêvais d'être dessinateur depuis petit, et plus particulièrement depuis que tu avais vu le film Akira au cinéma. Oui, alors même c'est pas uniquement le film. Ouais. À l'époque où j'achetais les seuls mangas qu'on avait chez nous, quand j'avais 15 ans, c'était donc dans les années 90-95, plus que ça, même 98, c'était des sortes d'éditions très fines de Dragon Ball dans les maisons presse. Les marchands de journaux, pardon, ouais. Qui coûtaient 2,50 francs à l'époque. Et c'était genre, il y avait 5 chapitres, pas plus, quoi. Mmh. Et on avait en librairie les gros formats d'Akira. Alors pareil, comme c'était un petit peu la honte et tout, déjà c'était colorisé par des Américains, par Steve Olive, qui bossait pour des comics américains. C'était colorisé par-dessus les trames de Otomo. Et c'était un fascicule bâtard. C'était pas vraiment manga, c'était pas vraiment comics, c'était entre les deux. C'était chelou, quoi. Et c'est grâce à la bande dessinée Akira, et surtout les décors, et la façon dont ils mettaient en scène, Akira qui est quand même, on va dire, le plus occidental de tous les mangas au niveau de la mise en scène. Mmh. Bref, ça m'a fasciné. Et je me suis découvert une passion pour l'architecture et les décors à ce moment-là. L'ironie totale, c'est que maintenant, je fais plus aucun décor, tu vois, alors que c'est mon truc à la base. Et justement, dans City Hall, je mettais à bloc des décors parce que je trouvais que mes personnages étaient super moches. Ouais. Donc j'essaie de donner le change, tu vois. Et maintenant je me retrouve à faire des personnages, hein. C'est compliqué. Ouah, je te déteste, Alexandre. Effectivement, le film Akira, pour moi, est un film extraordinaire. Qui est ressorti d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps, ou avant le confinement, je crois. Oui, oui, ils ont sorti un giga coffret de la mort. J'aimerais bien l'acquérir, mais j'ai pas de place dans mon bureau. Ah. Peut-être un jour. Peut-être. et toi, Alexandre, la passion, est-ce que tu as une œuvre marquante? Est-ce que tu as ton Akira à toi qui t'a dit, tiens, je vais devenir, je vais faire des décors, je vais avoir cette passion-là? Ouais, c'est plus les Final Fantasy, moi. C'est plus ouais. L'univers du jeu vidéo. Bon, après, il y a Toriyama. Hein, Toriyama Final Fantasy? Ça, c'est étonnant, quand même. Non, ouais, après, gros fan de Toriyama, de tout ce qu'il fait au niveau surtout des props, ses vaisseaux, ce genre de choses, quoi. Voilà, aux allures un petit peu insectoïdes, voilà, j'adore ce style-là. Et puis, ouais, Final Fantasy à mort, bah, le 7, vraiment, c'est qui m'a poussé à faire vraiment de la 3D, c'est voilà, quand j'ai fait le jeu, j'ai fait, ouais, c'est ça que je veux, ouais. C'est ça que j'aimerais bien faire. Voilà, ouais. Ça, puis les Pixar aussi. Et, d'accord. Et les animés chez Pixar, c'est un petit peu le rêve, le but ultime quand même de, ouais, bien sûr. De faire de la 3D. Voilà. S'il y a vraiment des mythes fondateurs, on va dire que c'est tout ce qui est pop culture après, film de pop culture des années 80-90, dans le futur, ce genre de choses. Quoi. Et en parlant de FF7, que penses-tu du remake du coup, au niveau des décors, ça doit être encore plus impressionnant, quoi. Alors, ouais, ça a été un... Alors, sans spoiler, hein, bien sûr. Ouais, ça a été du grand waouh sur. Bon, je sais pas, j'ai mis une cinquantaine d'heures à le finir. Ça a été du grand waouh pendant 49 heures. Et ça a été la plus grosse déception de ma vie sur la dernière. Ah ouais. Mais ouais, voilà, j'en dirai pas plus. Mais j'attends de voir l'épisode 2 pour vraiment signer mon avis, on va dire, d'accord. Là-dessus. Bon, ça se trouve, voilà, j'ai peut-être pas compris ou voilà, mais je pense quand même s'y avoir compris, mais malheureusement, ouais. Mais voilà, mais voilà, donc le remake, si, ça a été vraiment waouh, hein, redécouvrir l'intro, c'est toujours ça, l'intro, je peux la revoir, voilà, même 20 ans après, fiche toujours autant les poils, ouais. Cette où on arrive sur Midgar, là, on plonge le train qui arrive et tout, et alors, la musique, c'est ça reste mythique, ça reste, voilà, ça reste de l'ordre du mythe. Hein, c'est, voilà, c'est... Pour ça, je suis peut-être trop, justement, je suis vraiment trop,
je suis très conservateur là-dessus. Puriste, faut surtout pas toucher à l'œuvre, machin. Donc dès que le scénario part un petit peu en biais sur le remake, ça faisait un peu. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? C'est un peu ça. donc voilà. Bah, tu me donnes envie d'avancer sur le jeu, parce que moi je suis alors pour pas spoiler non plus, je suis à la sortie du cimetière, si on peut dire ça, du cimetière des trains, donc sur le boss là, je galère, mais tu me donnes envie de voir la dernière heure là, d'avancer encore. t'es loin de la dernière heure. Ouais, je suis loin là, encore, je suis pas. Ça fait un petit peu moins des trois quarts du jeu là, ça reste quand même une grosse partie quand même. Ouais, super. Sans spoiler, mais voilà. Sinon, c'est quand même une grosse claque. C'est quand même une grosse claque. Sauf comme ça, et puis pouvoir se promener et tout. Sauf le JPEG des Toddy façon Google Earth. Ça c'est bon. Je pense que c'est des limitations techniques sur PS5, on verra. Je pense que ça sera mieux sur PC peut-être aussi. S'ils refont ça, parce que s'ils peuvent se dire, on s'en fiche, on ne le fait pas. Mais c'est vrai qu'il y a certains décors qui sont vraiment waouh, et il y en a d'autres, les polygones, tout ce qui est modélisé, ça s'arrête à un certain endroit et après derrière c'est une vieille image JPEG basse définition dégueulasse qu'ils ont mis quoi là. Ouais. La partie où on grimpe pour monter sur la plaque vers le bâtiment chinois là où c'est le secteur qui est effondré, c'est vraiment dégueulasse. Il faut avouer que c'est vraiment dégueulasse. C'est dommage parce que la vue pourrait être super ici, mais je pense que là ils sont nés aux limites de ce qui est capable de fournir la play quoi. D'accord. Voilà, je pense. On a Kiba qui nous demande ton avis sur Sephiroth dans Smash. Alors, écoute, comme j'ai dit sur Twitter, nouveau personnage jouable dans Smash, indice chez toi, il n'aime pas les champignons, il ne va pas dans les tuyaux, il ne porte pas de salopette, c'est la classe intégrale. Voilà. Après, je suis plus Smash, j'ai pas de Switch. Smash, je dois l'avoir, le dernier que j'ai, ça doit être sur GameCube. Donc, pour te dire... je suis pas grand fanat de la série, hein. Je suis plus Sega, hein. Moi, je suis plus Sega maniaque que Nintendo, Nintendo fan. Hein. C'est plus fort que toi. C'est plus Sonic chez moi. C'est plus Sonic Land ici que Mario. Mario, je dois avoir une figurine de Mario, au moins une cinquantaine de Sonic. Donc voilà. mais après, c'est top. Ce genre de perso qui a la classe, c'est typiquement le genre de jeu Smash Bros où faut que ça soit du what the fuck. Et que ça soit justement l'escalade au pouvoir. Donc Sephiroth, il a parfait sa place dans ce sens. Moi, je verrais bien un petit duel Sephiroth Rondoudou. Je sais pas vous, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Ou Kirby. Kirby. Kirby est fort. Kirby Sephiroth. Kirby est utilisé par des joueurs pros, donc c'est valide. Ouais, voilà. Du coup, pour revenir sur le côté mangaka, Guillaume, toi, du coup, t'étais au début sur de la BD franco-belge, et là, finalement, actuellement, tu es sur de l'adaptation d'une BD franco-belge en manga. Est-ce que tu trouves pas ça marrant au vu de ta carrière? Ah, le destin de la vie est parfois capricieux. Oui. Avec une pipe et tout. Le vieux monsieur. Ça, avec une petite. Oui, de la manger au pigeon pendant que je dessine. c'est marrant. C'est là que tu perçois que les légendaires saga, ça a été pensé comme un manga en fait, au niveau du scénario. Ouais. Parce que quand je découpe, j'ai aucun mal à trouver un climax pour la fin du chapitre et un climax de bâtard en fin d'album. Y a aucun mal. C'est vraiment. Pourtant, l'allure fait pas super manga, évidemment. Aux couleurs ou des choses comme ça. Mais vraiment, j'ai zéro difficulté. D'accord. Et ça, c'est bien. Ben super. Est-ce que, pour continuer, une question dans le même style, est-ce que ta carrière est derrière toi? Non. Non, on va continuer avec une question aussi pour toi. Tiens, on disait tout à l'heure, avant de te rejoindre, que tu sais, genre les interviews fleuves rétrospectives, ça sentait bon le cimetière. Mais je suis pas encore fini. Non, on a hâte de. Je sais bien que Géro arrive, tout ça, et la prochaine génération est là, comme Oboronion, Shindo, tout ça, ils vont tous nous dépasser. Mais
on est encore là pendant un petit bout de temps, on va semer des embûches et des trous sur votre parcours. Puis on a hâte de découvrir tous vos projets, bien sûr. C'est clair. Ouais, en parlant de Géraud, à l'occasion du classement du concours Tezuka et de Moshi aussi, qui a fini troisième, il me semble, ils seront tous les deux en interview dans le Keep on Dream, mais sur le blog, en interview texte, pas en live comme les mercredis, mais donc voilà, sûrement ce week-end. Donc on mettra ça sur Twitter, etc. C'était le petit instant pub. Nice. En parlant de ça, du coup, en enchaînant avec le fait que vous avez été les précurseurs un peu pour le manga français. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez une légitimité à dire que vous êtes mangaka français, auteur de manga en France? Mais carrément. Non, c'est carrément. Oui. Ah, mais carrément. C'est, on est là, on défend ça tous les jours en fait. Ouais. En essayant de faire du meilleur boulot possible. C'est comme ça qu'on va se créer un pôle manga français, pardon. Bien sûr. Très très fort. C'est en sortant des œuvres de qualité. Et est-ce que vous avez vu. On va les avoir à l'usure, quoi. Oui. Est-ce que vous avez vu une progression dans, par exemple, sur les journalistes grands médias, etc., ou sur les journalistes BD, tout simplement, quand ils vous interrogent? Est-ce qu'il y a une progression dans les questions autour de ça, justement, autour de la légitimité? Ah oui, oui, il y a une véritable couverture médiatique. Ouais. Alors, c'est pas la folie, évidemment. Sauf pour, par exemple, Tony, qui a une nette exposition par rapport à son animé au Japon, qui ouvre des portes que nous sommes. C'est fermé pour nous, quand même, mec. Il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent en termes de journalistes à ce petit univers qu'est le manga français. Bien sûr. Déjà, voilà, le manga est déjà un petit univers en France. On dit que la France est le premier pays consommateur, second pays consommateur pardon, de manga, mais je sais pas, je peux me tromper, mais un fairy tale à la sortie, ça fait 17 000, 20 000 volumes de vente, quoi. Ouais. Donc c'est rien par rapport à la population française. Mais malgré tout, eh bien, y a de plus en plus de couverture. Ne serait-ce qu'à Japan Expo, où on a eu des expositions dédiées, un espace dédié. À Angoulême aussi, il y a eu la bulle manga. Il y a des tables rondes aussi. Comme ça dans ce... Ouais, il y a des tables rondes. C'est quoi cette curiosité? C'est quoi ces Français qui veulent faire comme les Japonais et tout? Alors là, donc, on explique que non, en fait, on a une spécificité, on a une sensibilité, etc. Quoi. Ouais. Mais c'est cool. C'est bien que les journalistes, les jeunes journalistes prennent ça au sérieux, ouais. Qui ont grandi avec ça, ouais, c'est normal, c'est leur passion, ils aiment le manga au jour le jour, du coup ils en parlent. Je pense qu'à partir du moment où les anciens dirigeants de grands festivals ou d'Angoulême, ce genre de trucs, ils vont laisser leur place à des gens plus jeunes, ils vont amener avec eux leur passion, qui sera la passion du manga. Je pense que dans les années qui vont venir, avec l'augmentation des auteurs et des bons projets, je pense que les éditeurs ont compris que les bons projets, ça pouvait faire un bon succès. Bien, je pense, sûr, qu'on va être de plus en plus mis en lumière. Alors peut-être pour nous, ce sera trop tard, peut-être dans 10 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Et pour les personnes qui arrivent derrière nous, si vous faites du bon travail, je pense que vous avez toutes vos chances, quoi. Bien sûr. C'est ce qu'on disait aussi la semaine dernière, justement, on avait reçu Ataru pour l'entretien, et lui qui a aussi découvert l'arrivée du manga en France, etc. C'est ce qu'il disait, c'est que maintenant les gens du Club Dorothée, etc., aussi, qui a grandement fait pour le manga en France, ils ont grandi, et donc ils prennent ça réellement au sérieux, et il y a toute une génération ensuite. J'en profite pour saluer Dame, c'est Ataru qui vient d'arriver. Ataru, justement, on parle de lui. et qu'est-ce que ça fait? Moi, j'aurais une petite question un peu perso, mais tu as des enfants, Guillaume. Qu'est-ce que ça fait de dire que son papa est mangaka? Eh ben, ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Non, si. Alors, je pense qu'ils s'en fichent un peu qu'on fasse du manga. Ouais. Et donc, mon épouse aussi fait du manga, donc vraiment. Oui, elle va aussi. Et voilà, Elsa Brands, Sajimi Piti, par le pouvoir des dessins animés chez Kana, puis elle prépare d'autres séries. Donc vraiment, ils baignent dans cette ambiance-là. Notre maison, c'est pas une maison, c'est quasiment une librairie, quoi. Tellement on a de bouquins. Pour eux, c'est leur quotidien. Ouais. Donc je pense qu'ils ont du mal à se rendre compte. Quand ils voient nos bouquins dans le...
Oula, ça a coupé. Ah, allô? C'est de leur collègue, mais ça a coupé? Ouais, Ouais, il c'est faut bon, juste que tu redises ta phrase. Désolé. Moi, je pense pour eux, ça leur fait pas grand-chose. C'est parce qu'ils baignent là-dedans depuis qu'ils sont tout petits. Vu comme chez nous, c'est la maison du manga, quoi. Le seul truc qui doit leur faire un peu bizarre, c'est quand ils vont au collège et que le bouquin est en haut CDI, et t'as des potes qui disent, mais ton père, c'est Guillaume Lapère de Citizen. Oui, ah, ouais, j'adore. Mais au-delà de ça, je pense qu'ils s'en foutent, hein. Ouais. Non, bah juste ma fille elle veut faire du manga, mais sinon c'est le seul point commun. D'accord. Ok, ils demandent des Ben, dédicaces, je suppose, les copains de au est-ce que collège. les copains demandent des dédicaces? Ben, je sais pas, peut-être s'ils demandent, je le ferai avec plaisir. Ça se trouve, tes enfants sont tes agents et évitent ce genre de demande. Je ne peux pas le dire, c'est le secret de la famille. Ataru qui demande s'il fait beau à 7, il passe le bonjour à Elsa. Dégueulasse, mais je passerai le bonjour à Elsa. D'ailleurs, j'en profite personnellement aussi au nom du Keep on Dream. Il y a très longtemps, quand on a fait une toute première campagne de financement pour participer à la Japan Expo, on avait imprimé un petit fanzine du Keep on Dream avec différentes histoires. Et Elsa avait partagé ça sur Twitter. Donc, c'était il y a quelques années. Nous, on était encore plus jeunes. Le projet était encore plus. Comment dire, amateur, etc. Et donc, je voulais la remercier aussi personnellement d'avoir partagé ça au moment où on était au balbutiement de quelque chose, quoi. Donc, c'était très gentil Ah, de sa super. part. Je lui transmettrai. Et dès qu'elle sort son bouquin, je serai le premier à vous envoyer un message pour l'avoir en entretien. Pour continuer sur votre vie de mangaka, tout à l'heure on parlait que vous travaillez sur du numérique autant que sur du tradi au niveau du matériel, donc ça va s'adresser aussi et surtout à Alexandre pour les logiciels, etc. Qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour être mangaka? Combien ça coûte? Parce qu'on s'imagine pas quand on est lecteur, on se dit ouais, les pages elles sortent, elles sont nickel, il a eu besoin d'une plume et d'une page et voilà. Qu'est-ce qu'il y a besoin comme matériel derrière, quoi? Une planche et voilà. Du Non, noyer, du marbre? non, ben, je sais pas. Après, moi je pense que, encore une fois, hein, c'est ce qu'on dit aussi. Après, ben, Quand vous posez la question, je pense que c'est suivant le feeling de chacun. Chacun doit trouver les outils qui lui correspondent. C'est pas parce que tu vas avoir le meilleur crayon du monde et qu'on va te conseiller le meilleur crayon du monde bien que tu sûr. vas faire les meilleurs dessins du monde si ça ne te convient pas. Je donne tout le temps le même exemple. Excusez-moi de te couper. Tony Valente et moi, on a exactement le même matériel. Tout le monde sait que je suis largement supérieur. Ah ouais, moi, on le sait. Non, mais voilà. Donc, après, excusez-moi de cet aparté. Est-ce Je considère qu'il que. dessine les légendaires Tony Valente? Je crois pas. Non, il devrait. Il devrait arrêter son petit manga indépendant, là, Radiante. Non, Il va bien. mais ouais, c'est pas la manette qui fait que tu perds à FIFA, Non, voilà, c'est quoi. ça, Exactement. c'est le feeling avec lequel tu as, que voilà, moi je sais monter je sais monter une perspective, je pourrais monter des décors comme ça, quoi, de manière traditionnelle, mais je mettrais 10 fois plus de temps. Le médium, vraiment, j'ai réussi à m'exprimer, exprimer les idées que j'avais en tête, c'est grâce à la 3D, tu vois. Ouais. Il a fallu, voilà, j'ai fait énormément de tradis, avant de commencer à travailler aussi ou autre, et j'arrivais pas forcément à mettre en forme, soit à cause de lacunes techniques ou autre. Donc là, voilà, la 3D, ça m'a permis de. Voilà, c'est un outil qui me permet, tu vois, avec lequel je me sens mieux pour exprimer les idées que j'ai en tête. Donc chacun, après, faut trouver votre meilleure recette. Après, voilà, en termes de matériel, bon, ben. Je travaille moi avec Cinema 4D. Voilà, c'est un logiciel qui sert surtout à faire du broadcast et du motion design. Moi, j'avais pas envie de réapprendre tout à zéro et repartir à zéro. Hein, mais Blender fait les choses très bien aussi et il est gratuit par exemple. Donc voilà, moi je travaille sur Cinema 4D, Photoshop, hein, bien sûr, Photoshop toute la suite Adobe. J'ai une Cintiq, je travaille sur Cintiq, donc en numérique. Puis j'ai Je travaille sur Mac. Après, voilà,
tu peux faire la même chose, je pense. Avec une tablette déportée, sur PC et avec un autre logiciel, avec Blender, par exemple. Tu vois. C'est, encore une fois, c'est faut trouver le meilleur workflow qui vous convient. Quoi. Yes. C'est surtout ça. Il n'y a pas une solution, il faut trouver celle qui nous correspond. C'est surtout ça. Là, c'est ça le plus dur, parce qu'il faut expérimenter. Donc là, encore une fois, c'est des heures passées à faire des tests, à s'entraîner, etc. Pour bien sûr. Trouver ces petites recettes, voir si l'outil nous convient et autres. Alors on en parlera, ça je pense qu'on reviendra là-dessus sur la dernière partie avec les questions des lecteurs. Je suis sûr qu'on a des auteurs aussi en spectateurs qui auront des questions pour vous. Mais est-ce que vous avez déjà, par exemple, un conseil au niveau des préférences de où acheter ou de comment acheter le matériel de dessin, par exemple? Ça dépend. Par exemple, le papier que j'utilise, qui est du délétère B4, papier quinte, je crois que c'est du A4, je crois. Sur Amazon, c'est pas trop cher et vous l'avez relativement rapidement. Après, pour ce qui est l'encre, j'utilise du Pilot Ink Gold et là c'est la galère pour en trouver. Heureusement qu'il y a un site qui s'appelle Before Comics qui en fait. Après, il y a des délais de validation de livraison qui sont un peu longs, mais voilà. Le meilleur contact, c'est quand même le pote au Japon, mais tout le monde ne l'a pas. Je déconseille TVH Land. Ils étaient bien à un moment donné, TVH Land, puis là je trouve que. Ils abusent un peu au niveau des prix, quoi. Donc voilà, porte plume, j'ai commandé chez Amazon. Après, si vous avez une bonne papeterie dans votre ville, ça vaut le coup de passer chez votre papetier et de commander directement. Voilà, ça ne tient pas grand-chose dans la ville dans laquelle je suis. Pas grand-chose au niveau culturel, donc du coup, je suis obligé de passer par la vente à correspondance parce que j'ai pas envie de me taper 40 minutes pour aller à Montpellier, quoi. Bien sûr. Ok, est-ce que vous pourriez nous dire comment, alors on le sait forcément pour ceux qui vous suivent sur Twitch, puisque vous faites des lives presque tous les jours pour avancer sur le manga, mais comment se déroule une journée type? Alors, journée type, levé pour ma part, après Alex il dira son truc, levé 7h, je vais voir ce que Robin Rognon a mis sur Twitter ou sur Instagram. J'arrive bien, tout ça, bon. Avec un petit thé. Ensuite, ben, je me prépare. Les enfants vont partent au collège. Et vers 8h, je me mets au travail. 8h. Alors, ça dépend. Ça dépend des fois. Comme là, je sais qu'Alexandre n'est pas encore là, sur le Discord. Je fais généralement du storyboard. Comme ça, je suis bien tout seul. Je suis bien concentré. Je peux faire tranquillement mon truc. Donc, une petite heure. Généralement, Alexandre arrive vers 14h30 du mat, tu vois. Oui, voilà. Il arrive vers 9h, un truc comme ça. Ouais. Et là, du coup, on commence à attaquer les pages. Et je fais une petite pause à midi. Je mange en un quart d'heure. Je prépare toujours ma petite blague pour les gens, mon petit dessin pour les gens pour le Twitch. À 13h, je lance le Twitch. À 14h, donc on s'amuse beaucoup. On rigole bien. Avec les viewers. On rigole bien. À 14h, Alexandre arrive, du coup, on rigole un peu moins, mais bon, ça, c'est pas très grave. On fait avec. Jusqu'à 15h. Voilà. Et après, on travaille jusqu'à 18h, à peu près. Et en ce moment, on s'y remet de 21h à 23h. Mais ça, c'est le rythme de maintenant. Oui, oui, pour finir, pour boucler le chapitre, c'est ça? Le tome, pardon. Pour boucler le tome, ouais. Ça, c'est le rythme de maintenant. J'ai passé des années à travailler 14 heures par jour, un truc comme ça, quoi. Ouais. À faire des journées pas possibles, parce qu'il fallait bien faire, j'étais tout seul, il fallait bien faire. Pour CTO, je faisais des journées à rallonge. Même on passe, voilà, même rappelle-toi, hein, Brigade Temporelle, Bookster, Brigade Temporelle, on bossait le soir, on a même abusé, hein, Brigade Temporelle, on a bossé journée et soir jusqu'à tard. Ouais. Donc, voilà, bon, bah, on peut se permettre... On peut se permettre de ne pas travailler les soirs. En période normale, on se permet de ne pas travailler les soirs pour passer un petit peu de temps avec la famille. Je n'ai pas bossé le week-end, mais il m'a fallu 19 ans pour ne pas avoir à travailler le week-end, tu vois. Ouais, ça, c'est un gros inconvénient qu'on ne voit pas souvent, mais les auteurs, que ce soit de la BD, du manga, de la littérature, etc., faut sacrifier une partie de sa vie perso, de son temps, pour avancer sur ses œuvres, quoi. C'est du temps, ouais, c'est sûr. C'est du temps. Tu cites ton contrat, investissement personnel, ouais. T'as signé ton contrat, c'est ton premier bouquin,
passes tes journées à jouer aux jeux vidéo parce que t'es à la maison, t'es tranquille et que le soir tu vas au cinéma, c'est pas comme ça que les pages vont se faire. Ouais, c'est clair. Ah non, c'est ça. Puis c'est pas comme. Ouais, voilà. Puis l'auteur suivra pas longtemps. Quoi. C'est aussi, il faut montrer pas de blanche au niveau l'auteur de. Voilà. Dire, bah oui, on en a sous le pied. On peut y aller, quoi. Ouais. L'éditeur, tu veux dire. Ouais. Oui, l'éditeur, pardon. Ataru qui nous demande, pas de soucis de santé avec autant d'heures. Si. Ben. Oula, j'ai eu un petit bug. Alors, je suis désolé, j'arrive tout de suite. Hop. Pardon, les gars, j'ai eu un petit bug. Hop. C'est les gens qui parlent dans le serveur du Keep-On, ça me change de canal. Donc, au niveau des soucis de santé, on était. Ouais, soucis de santé, j'ai fait un malaise en Club Japan Expo. Et depuis, quand je force trop sur la capacité physique, je refais des malaises. Voilà, tout simplement, c'est la façon dont mon cœur m'a dit, là t'abuses. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'avec les années, je réside de moins en moins. Donc là, c'est pour ça que, avec l'aide d'Alex, heureusement, on fait quand même des bonnes journées, hein. 8h, 18h, ouais. C'est quand même pas mal. Là, je sens que c'est limite, tu vois. D'accord. Je pense que je vais tirer jusqu'à lundi, mardi, pardon. Mais après, heureusement qu'il y a les vacances, je vais pouvoir me reposer. Mais je comprends bien que les jeunes, quand j'étais jeune, pouvaient faire des nuits blanches, des trucs comme ça, et aucun problème. Il y a des gens comme Renaud Le Maire qui ne sont pas affectés par les problèmes physiques. C'est des machines. Des extraterrestres. C'est un cyborg, hein. C'est un cyborg. Ouais, tant mieux pour lui, mais c'est un cyborg. Cyborg dans le mais un cyborg quand même. J'ai des souvenirs d'avoir bossé avec la grippe, la gastro, bon, les rhumes, bien sûr, les comptes pas, mal au dos, mal aux jambes, mal au machin. Et bon, il fallait plein de deadlines à respecter. Ouais. Tu fais du vanguard, donc il faut que ça aille vite. Vite et bien. Et est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que, pardon, hein, juste avant la réponse d'Alex, mais est-ce qu'il n'y a pas une question autour de ça, qui finalement le rendement des Japonais qui met une pression supplémentaire parce qu'on se dit bah les Français vont faire pareil alors que nous on n'a pas tout leur système bien évidemment. C'est ce que les éditeurs voudraient évidemment, hein, c'est ce que les lecteurs, moi aussi j'adorerais que la série manga française que je suis, que j'adore, qu'il y ait un bouquin de plus chez tous les deux mois, ouais. Évidemment, mais c'est pas possible. Déjà nous on va faire 3 voire 4 par an. Ça va être assez tendu, mais on va réussir à le faire. C'est un accord, tu vois, ce que je veux dire. C'est jamais forcé. Alors qu'au Japon, je pense que c'est pas pareil. Au Japon, ouais. C'est un peu obligé, quoi. Ouais, il y a un truc de mentalité aussi. Derrière, de comportement, effectivement, société. Ouais, ouais. Ouais. Et toi, Alexandre, si du coup... Non, c'était juste pour savoir si t'avais des... Bon, c'est que toi, t'es encore jeune. Il est plus jeune, on va dire. Ouais, plus jeune, mais bon, ça tombe quand même. Ouais, j'ai 36 ans, quand même. Voilà, c'est plus les 25 ans. Mmh. 36 ans. Plus enchaîné, donc plus les nuits blanches à répétition. Ou alors, je le paye, quoi. Ouais. Je vais faire ça pendant une semaine, et la semaine d'après, je vais mettre 15 jours à m'en mettre. Ouais. Mmh, après, il y a l'XP, hein. L'XP qui fait qu'on dessine de mieux en mieux. On travaille de mieux en mieux. On a plus d'expérience. De plus en plus vite. Coup, voilà, c'est ça. Ouais. Pour la même tâche, on peut se permettre de... Là où je gagne du temps par rapport au début, c'est certain, c'est ma maîtrise de l'anatomie, perspective, tout ça. Donc du coup, les crayonnés vont largement plus vite qu'avant, par exemple. Ouais. J'ai bien l'habitude des personnages, tout ça. L'ancrage, non, j'y mets toujours beaucoup de temps. Mais voilà. Ah oui, journée type, si vous voulez savoir dans le détail... Quels sont les ondes de quoi au niveau du chapitre, c'est une journée storyboard pour 20 pages à peu près, crayonné 2 ou 3 jours max, ancrage maximum 5 jours. D'accord. Et le reste du temps en finition ordinateur, quoi. C'est ça. Ça tombe bien parce que j'allais justement demander comment vous répartissiez le partie storyboard, crayonné, etc. Donc ça fait 8 jours, c'est ça, pour, à peu près, ouais. Pour un chapitre. Bien qu'il faut. Ouais, après, avec les ordi, tout de retouche, ouais. Dire entre contrôle, ouais. En moyenne, on va dire 10-12 jours. D'accord. Ouais, c'est ça. Si on dépasse la dizaine, c'est que on a fait une erreur quelque part. Ouais. Okay. Et est-ce que c'est un rythme que vous aviez déjà dans vos précédents projets, ou
Est-ce que vous l'avez amélioré avec le temps ou... Oh oui, plus ou moins. Ouais, on a même fait le mieux. Ouais, mais bon, on l'a payé derrière, voilà, au niveau de la qualité. D'accord. Et puis, même après, en termes de santé. Ouais. Et là, je pense que c'est bien. Hein. C'est un bon rythme. Robot le maire. Non, mais c'est un bon rythme, je pense. Voilà. Il y a très peu d'auteurs, je pense, hein, qui ont la même rythme que nous. Ouais, ouais. Après, on est deux. Donc. Aussi. Ok, bah, je pense que c'est pas mal au niveau de votre vie d'auteur, de comment vous avancez sur le manga tu en veux plus. Pas savoir si on mange des nouilles instantanées, tout ça. Bah, moi, j'aurais bien aimé savoir quel repas tu mangeais au moment où tu as dit que tu allais faire les légendaires sagas en manga. Mankatsu. Ah bah, faut manger pareil. Non mais ça, après ça peut être on prend en rigolant mais ça peut être une vraie question la nutrition comme chez les sportifs Ah oui la nutrition bah oui tu fais pas le sport en tant qu'auteur de BD Du coup on est pile dans les temps on approche des 4h30 on va pouvoir passer à la dernière partie qui est sur les un peu conseils aux jeunes auteurs et puis on va prendre toutes les questions du chat aussi. Juste pour introduire ça, on en parlait tout à l'heure, mais on a vu Jérôme Oshii qui ont gagné le Tezuka. Il y a plein d'autres auteurs qui arrivent aussi à avoir beaucoup plus de contrats d'édition ou qui passent aussi en campagne de financement directement en indépendant. Qu'est-ce que vous, ça vous fait ressentir du manga en France, du manga français, pardon? Non, vas-y, je t'en prie. Plus d'opportunités il y a, mieux c'est. Ce qui est important, c'est les auteurs, c'est les mangas. Et c'est que les mangas soient de qualité. Peu importe de quelle manière vous y arrivez, et vous y arriverez de toute façon, parce que vous serez motivé pour ça. Voilà. Ce que j'ai envie de dire. On aime bien avoir un éditeur parce qu'on n'aime pas. Ça serait compliqué pour nous de gérer la logistique, Voilà. l'acheminement, Ouais. etc. Ça fait du bien d'avoir un éditeur, même si on est tous d'accord qu'ils prennent trop en pourcentage, et le distributeur prend trop en pourcentage, on est d'accord que des fois ils payent au lance-pierre pour galérer des années pour être payé décemment. On le sait, mais c'est un choix qu'on a fait. Il se peut que demain ou après-demain, on lance aussi un truc participatif. Mais là, bon, on est tombé quand même sur le bon projet. C'est pas le même, c'est pas, c'est pas, enfin, c'est pareil, c'est pas le même du tout. Modèle économique, c'est, tu vois, là, au vu des délais qu'on s'est fixés ou autre, on pourrait pas, même, on pourrait pas faire, voilà, s'il faut gérer la logistique ou autre, ou alors il faudrait des personnes en plus, des bras en plus, Ouais, envoyer les gérer les goodies, emplois, envoyer tout etc. ça, ouais. Tu vois, je prends l'exemple de Maliki, parce que pour moi, c'est Ouais. ceux qui ont le mieux réussi dans ce modèle-là. Dans ce modèle-là en France, et ils ont eu le courage et l'audace de dire allez, on se lance là-dedans, c'est l'inconnu et on y va. Et aujourd'hui, une réussite, c'est une réussite. Mais voilà, mais en termes de logistique, voilà, faut voir, c'est Becky qui s'occupe entre autres de tout ce qui est logistique. Et c'est vrai qu'elle s'arrache les cheveux sur les envois, les trucs comme ça. Donc en plus, quand il faut gérer. Classe de fan qui vient te harceler tous les jours en disant il est où mon bouquin, il est où machin, tu vois. Donc, au bout d'un moment, voilà, faut être sur tous les plans en même temps. Je sais pas comment ils font, vraiment, je les admire pour ça parce que je sais pas comment ils font pour s'en sortir là-dessus, quoi. Sachant qu'après, Souillon continue de travailler en plus sur le contenu, sur l'écriture et le contenu. Voilà, gérer les dédicaces en plus quand il a besoin de. Avec la campagne Ulule, derrière, gérer des, je sais pas, 1500 dédicaces pour Ouais. des bouquins en bois, C'est machin. chaud. Je sais pas, franchement, je sais pas. Pareil, c'est comme pour Renault, hein, c'est une machine. Hein. Moi, Maliki, c'est une machine. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font. Mais voilà, donc nous, je pense pas qu'on pourrait gérer ça au vis-à-vis du délai qu'on se donne, des buts qu'on se donne. C'est pas du tout la même gestion, c'est pas du tout le même modèle commercial ou autre. Si un jour on vient à opter pour cette solution-là, ça sera pas les mêmes rythmes de parution, je pense, et ce sera une manière de travailler différente. Donc
Donc là, on a choisi ce modèle-là, hein, et, avec les contraintes qu'il implique aussi. Parce que je pense que l'herbe n'est pas plus verte dans le près d'à côté. Hein, c'est, je pense que là, Maliki, c'est pareil. Ils ont des contraintes, ils se retrouvent libres d'une certaine manière, mais derrière, ils ont quand même un toit logistique ou autre qui sont lourdes, je pense. Donc, nous, là-dessus, voilà, c'est des contraintes de temps. On fait fi de justement de la logistique, de la distribution ou autre. Mais après, on a des contraintes de temps, par exemple, qui sont courtes, en ayant des critères de qualité qui doivent être élevés. Donc, c'est beau, on voilà, dirait qu'on court trop vite, Roel. Non, mais je veux dire, faut jamais c'est dire bon. Jamais. Voilà, on peut être amené la vie. C'est bien qu'il y ait des jeunes auteurs qui passent directement par le circuit participatif et qui fonctionnent. Voilà. C'est génial. Si ça marche, c'est génial. C'est super. Voilà. Génial pour eux. Faut avoir aussi, je pense, le courage de se lancer dans ce genre d'aventure-là. Quant à la motivation, on aurait 20 ans de moins, peut-être que, voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Guillaume, mais c'est vrai que... Quand t'as 20 ans, t'as pas la même énergie que quand tu approches, voilà, 40. Tant mieux, que vous soyez auteur indépendant, que vous passez par le participatif, que vous choisissiez la méthode d'édition, faites et bossez numériquement, papier, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que ce soit bon pour vous. Mais par contre, ce que j'aime pas, c'est les auteurs indépendants qui passent par les circuits de l'édition alternatif avec les crowdfunding et qui disent publiquement bah, les éditeurs, c'est de la merde. Non, dites pas ça. Les éditeurs, c'est bien pour certains trucs et c'est mauvais pour d'autres trucs. Bah, c'est, souvent, ils vont pas. Ce qu'on disait sur le matériel tout à l'heure, c'est des modèles différents et il faut trouver ce qui convient le mieux. Nous convient le mieux, quoi. C'est ça. Ouais. Puis souvent, ceux qui disent ça, enfin, c'est en pensant que les éditeurs, c'est le côté capitaliste qui pense qu'à l'argent, etc. Mais les éditeurs font une très grosse partie d'investissement. Ils mettent de l'argent en amont que de leur poche à eux pour sortir l'œuvre qu'ils sont pas sûrs de récupérer ensuite. Donc il y a un gros boulot qui était, même s'il y a ses inconvénients, bien sûr. On ne peut pas leur retirer qu'ils ont un investissement autant au niveau du temps, des personnes qui travaillent, etc., qu'au niveau financier. Hein. Il y a vraiment des auteurs qui disent que les éditeurs, c'est des capitalistes. Parce que si tu es indépendant et que tu cherches à vendre ton bouquin, t'es quoi ? Ben... Tu nourris avec quoi ? T'achètes avec quoi des steaks cachés ? Tu les achètes avec des cailloux ? Je sais pas, avec de la visibilité. Les pièces sur... Ah, oui, d'accord, oui. Je vois, oui. Voilà. Non, super. Bah, justement, il y a une question que je vous ai pas posée. Alors, c'était pas à propos des campagnes de financement, c'est plus du côté éditeur, mais du côté du métier d'éditeur, du retour avec l'auteur. Bon, vous, c'est un petit peu différent parce que entre l'éditeur et vous, il y a forcément Patrick Sobral qui chapeaute un peu derrière. Mais est-ce que vous avez un retour d'éditeur ou est-ce que vous avez eu sur les mangas précédents des retours réguliers d'éditeurs pour avancer sur le manga et le faire progresser? Ça dépend les éditeurs. Chez Ankama, on avait des retours si on les demandait, et c'est souvent des retours très intéressants. Chez Kana, on n'a pas trop eu de retours, mis à part des soucis techniques, mais sur Edito, pas trop. Là, effectivement, chez Delcourt, les éditeurs disent pas grand-chose, puisque vraiment Patrick voit avec dans le détail. Voilà, c'est lui qui... Oula, je crois. En même temps, les directeurs de collection, ils ont énormément de titres à suivre. Je les plains pas, évidemment, hein, parce que voilà, ils ont beaucoup de travail. Ils peuvent pas te suivre tout le monde. Et quand t'es suivi par un directeur de collection, c'est que t'es intéressant pour la boîte. C'est aussi une preuve. Bien sûr. Que ça fonctionne. Après, je pense que là, c'est différent, voilà, pour les légendaires. Patrick qui chapote, l'univers et le monde des légendaires et toutes les déclinaisons qu'il y a. Donc, je pense qu'aussi l'éditeur lui fait suffisamment confiance pour gérer la barque et pour pas avoir à intervenir. Je pense que voilà, l'éditeur, enfin, Delcourt interviendrait si toutefois il y avait des gros soucis que Patrick avait pas relevé, chose que comme on l'appelle, hein, Patrick, les yeux de lynx, il voit tout. Donc en général, derrière, les corrections sont faites, et voilà, l'éditeur derrière, normalement, n'a plus rien à dire. Voilà, jusque-là, ça ne s'est pas produit, en tout cas. Donc, c'est vrai, voilà.
Puis du fait du travail qu'il a produit, et quand on est, comme tu disais tout à l'heure, top 1 des ventes de tome 1, Fortnite, ouais. je pense qu'il y a une position derrière qui fait qu'on sait que ça va être de la qualité, forcément, quoi. En tout cas, il pousse chacun des auteurs qui travaillent sur son univers à être à faire le meilleur boulot qu'il ait jamais fait. D'accord. Ça, c'est quelque chose de bien, quoi. Bien Il, sûr. ouais, il surveille vraiment comme de prunelle de ses yeux chacun de ses trucs. C'est la marque d'une grande série. Ouais. Bossez bien, les gens. Bossez bien. Faites D'ailleurs, pas les choses à moitié. On le répète très souvent dans les streams. ouais. Et une question qui vient aussi à propos de ça. Alors moi, je suis fan aussi du boulot de François Descraques, sur tout ce qu'il fait. Donc je suis fan des visiteurs du visiteur du futur, mais aussi de tous ses projets annexes. Qu'est-ce que vous pensez en tant que, bien sûr, auteur de manga, du transmédia, du fait qu'une histoire peut se développer sur plusieurs médias différents? Donc ça peut être sur de la série, du film, de la BD, du roman, etc. C'est génial. Bah, moi, je C'est trouve ça génial. super bien. Ouais. Ouais. Tant que ça fait pas artificiel et que tu fais ça pour gonfler Ouais, tant que c'est pas un truc qui commercial. n'a pas besoin. Ouais. Oui. Après, commercial, c'est difficile. Moi, je C'est défends le bien commercial. géré. Ouais. Ouais, si c'est bien géré, Après, voilà. voilà, c'est où c'est bien géré parce que le transmédia, il y a, comme tu dis, il y a le transmédia pour vraiment on voit que c'est fait avec passion et il y a transmédia où on voit où c'est fait pour le pognon. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que Star ces Wars deux sont Noël. incompatibles, mais disons que voilà, quand ça se voit trop et que tu vois, Star Wars, c'est un petit peu ça quand même, Non, tu vois. non, on va pas aller Non. avec Star Les Wars. Non, mais oh. on va pas rentrer là-dedans, mais c'est un petit peu ce qui se passe quand même. Sur Star Tu Wars, vois, on peut c'est dire l'épisode des vacances qui est sorti dans les Non. années 80, de Noël, je crois. Ouais. Où là, c'était on peut pas se le cacher. Le seul truc que je suis pas trop fan avec alors c'est pas vraiment du transmédia, mais c'est une sorte de mode, surtout dans le comics américain, c'est quand tu suis un héros, si tu veux la suite de son épisode, il faut acheter un autre numéro d'une autre série, parce que tout s'entrecoupe, tout s'entremêle. Ah oui. Ça, c'est pas top pour les lecteurs, quoi. Mmh. Mais sinon, le transmédia, c'est vachement bien. Ouais. L'essentiel, c'est de raconter des histoires, hein, peu importe le Mmh. format. C'est ça qui nous passionne tous, en fait, Bien sûr. en tant qu'auteur. C'est raconter des histoires. Et souvent, c'est d'autant mieux quand c'est la personne qui est à l'origine de l'histoire originale, on pourrait dire, qui chapeaute le tout, comme vous, bien sûr, avec Patrick Sobral, mais aussi comme François Descraques, parce que je crois qu'il y avait un jeu de société qui devait sortir sur le. Je ne sais pas si c'est sur le Visiteur ou sur un autre projet, mais il était derrière aussi. Et souvent, quand c'est la même personne qui est derrière tous les projets, même si son investissement est moindre selon le média, c'est d'autant plus qualitatif. Je suis assez d'accord. Oui, puis après, bon, et c'est pareil, il y avait aussi le roman, X-Men. voilà, c'était L'univers. ouais, sur le même univers, voilà. Donc, non, c'est super intéressant. Puis ça permet de toucher aussi d'autres cibles, un petit peu comme les légendaires, hein, c'est pareil, entre BD et manga, enfin, ouais, BD franco-belge et Ouais. manga, ça reste des fois, pour certains du moins, ça reste deux domaines très différents. Donc c'est vrai que Ça, c'est ça, plus en gros, intelligent. ça sert un petit peu aussi ça peut servir de porte d'entrée à l'univers des légendes. Yes. Est-ce Bah, les que gens qui ont le de plus, ouais. est-ce que le public visé est vraiment différent de la franco-belge que du manga au niveau des légendaires? On a les deux parties. On a, comme il y a des trucs nouveaux dans le manga, il y a des gens qui ont adoré la série principale en bande dessinée qui vont acheter les Légendaires Saga pour avoir cette richesse, des trucs en plus, Bien parce que sûr. ce sont des fans. Donc ils veulent toujours plus, hein, c'est logique. On a tous été fans d'un truc, et on veut toujours plus d'un truc. Et de notre côté, il y a énormément de gens qui sont pas fans de BD franco-belge, ça peut arriver, et qui ont préféré l'adaptation manga, quoi. Et au milieu, il y a tous les blaireaux qui disent oh, il faut pas faire des copies, c'est pas bien. Voilà. Ça, ceux-là, malheureusement, ce sont les dommages collatéraux de On chaque peut réseau rien. social. Ouais, c'est un peu Ils rien. sont là, on les regrette, mais ils sont là. C'est vrai en plus. C'est dur d'en rebondir. C'est C'est dur mal de à remettre rebondir. T'as pas un sujet sur les blaireaux du net? Non, on va pas Tant pis, faire tant pis.
Même si on va pas faire un débat là-dessus, en y réfléchissant, c'est vrai que, par exemple, avant que ça soit dans les, avec l'arrivée, je pense beaucoup avec l'arrivée du jeu vidéo, où chaque film avait son jeu vidéo derrière qui sortait Souvent pas terrible. sur les, souvent pas terrible sur les consoles de l'époque pour le commercial. Avant, ça se limitait à ça, principalement le transmédia, et aujourd'hui, quand on voit qu'une œuvre sort. Par exemple, je dis une bêtise, mais vous allez à la Fnac, vous allez au rayon fantasy, vous trouvez tout de suite, ou au rayon steampunk, etc. En littérature, vous trouvez tout de suite les romans Assassin's Creed, les romans World of Warcraft. Donc aujourd'hui, c'est vraiment démocratiser le fait que dès qu'il y a, que ça soit un jeu ou une série ou quelque chose qui sorte, bah Stranger Things, par exemple, la même chose, il y a eu sa BD, il y a eu son roman, etc. Tout de suite, c'est toujours. Toujours transmis directement sur tous les médias pour, je sais pas, peut-être pour attirer le plus de public possible, quoi. C'est ça. Après, ce que les gens ils ont tendance peut-être à oublier, c'est que on force personne à acheter Bah ce genre de produit. oui. C'est de la proposition. Et tant mieux si l'univers il devient riche grâce à ça. Bien Par sûr. contre, si c'est du roman de bas étage et que c'est mal foutu, là, une fois que vous l'avez acheté, vous avez le droit de gueuler, de dire ah ben c'était pas bien, ah ça m'a pas plu, ah c'est commercial. Mais de base, ne confondez pas proposition avec un revolver sur la tempe, genre. T'es obligé d'acheter Legendary Saga, on ne Bien force sûr. absolument personne. Et ça, bon, ben, les gens, ils ont tendance à. En plus, ils ont la critique facile, hein, tout le monde s'improvise critique du net, tout le monde a l'impression que son avis compte, surtout pas celui d'au Bourgnon, mais ça, voilà. Puis Mais bon, c'est. Voilà. Oui. on n'y pense pas, mais J'en ça suis fait pris un quand peu plein la gueule, hein, même. donc voilà. Au début, On n'y quoi, pense sur le pas, mais premier ça tome, fait quand j'avais des même. commentaires. Hein. Pardon. Non, c'est moi qui te coupe. Y a un décalage. Non, non, il y a un décalage. Vas-y. On n'y pense pas, mais ça fait quand même bosser des gens. Ça fait de l'emploi, ça fait travailler des gens. Et souvent, par exemple, pour reprendre l'exemple d'Assassin's Creed, les gens qui travaillent sur le roman, c'est des jeunes auteurs, c'est des auteurs qui veulent derrière créer leurs propres projets originaux, mais qui d'abord se font la main sur des séries connues pour proposer aux fans un contenu un peu varié, quoi. C'est ça. Bon, bah, Ah oui, il faut je jamais pense qu'on oublier qu'il y a des peut. auteurs derrière. Je pense qu'on peut conclure ce débat-là qui n'était pas écrit. Désolé. Pour retourner sur les mangakas français, sur les nouveaux talents, sur les jeunes talents, vous avez créé une émission sur Twitch, sur votre chaîne, qui s'appelle Coach Manga, à peu près tous les lundis soirs, où vous donnez vos conseils sur des jeunes auteurs qui vous envoient leur dossier d'édition, donc qui vont envoyer aux maisons d'édition pour avoir un avis. Pour savoir s'ils vont avoir un contrat et sortir leur série derrière ou pas. Juste avant, nous, juste un petit peu de promo encore. Nous, on est particulièrement fiers parce que sur la dernière émission ou l'avant-dernière, je ne sais plus, vous avez reçu Lao et Kin Guyo, qui sont deux anciennes auteurs du Keep on Dream. Donc, on était vraiment fiers que vous les ayez dans l'émission et on leur passe un petit coucou et on espère que leurs dossiers vont être acceptés. Donc, cette émission, vous l'avez ouverte parce que vous pensiez qu'il y avait une demande ou vraiment pour une envie de partager vos compétences et tout ce que vous avez appris sur. Je pense, hein. Les deux, je sais pas Ouais. ce que t'en penses, mais voilà. Mais les deux, et on a eu énormément de dossiers, quoi. Si, À tel point qu'on fait une si, pause, tu vois. Ouais, c'est ouais, ça. si on peut chiffrer, on peut. Vous avez une Une quinzaine de idée? personnes. Une quinzaine, Ouais, ça fait quand même pas mal. Étant ouais. donné Ben. qu'il y a de la préparation, on n'y va pas comme ça, les dents dans les poches. C'est Il y a clair. de la préparation, on essaie de donner les conseils les plus adaptés possibles. Et comme chaque auteur et autrice sont différents, il faut se pencher sur les pages, essayer d'identifier les trucs qui vont bien, les trucs qui vont pas bien, essayer de faire en sorte que tout soit compréhensible au moment où on le fait. Voilà. Et en période de bouclage comme ça, c'est compliqué, ça demande quand même pas mal d'énergie. On était très 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 contents de le faire. On fera une dernière petite émission, je sais pas quand, peut-être suivant, très certainement pendant les vacances. Et ensuite on fera peut-être une petite pause pour reprendre l'année prochaine. Avec de D'accord. nouvelles demandes. Ouais, mais voilà, c'est des conseils qu'on donne. Alors c'est pas non plus, pense la parole divine, parce que l'essentiel c'est que les critiques qu'on vous fait
il faut que ça vous fasse avancer. Si vous pensez que la critique qu'on vous fait sur votre travail n'est pas justifiée selon vous, ne la prenez pas, ne la prenez pas en compte. Prenez uniquement les choses qui vous font avancer. C'est ça. C'est souvent quelque chose qu'on a peur, ça, quand on est jeune auteur, d'être confronté à la critique et à des gens qui ont des choses à dire sur ce qu'on a fait. Ouais, si je peux me permettre, alors peut-être que je vais paraître un petit peu dur et tout, mais si vous n'êtes pas capable d'encaisser des critiques des auteurs qui sont bienveillants, pour la plupart, hein, la grande majorité, envers vous, qui veulent vous faire progresser, vous n'allez pas supporter les critiques des critiques et les critiques du public, surtout. C'est ça. Il faut se blinder dès le début. Il faut avancer avec votre biais en tête, en prenant en compte quand même votre entourage. Il ne faut pas être aveugle non plus sur le boulot que vous faites. Ces conseils-là sont précieux, mais vous devez avancer. Voilà. Puis si vous avez un contrat d'édition, la plupart du temps, derrière, dans les grosses maisons d'édition, il y a l'éditeur qui vient avoir un avis et un droit de regard sur le projet. Donc il y aura forcément, même à la base de la création, il y aura quelqu'un qui vous dit si c'est bien ou pas, quoi. Évidemment, oui. Est-ce que justement vous avez eu des alors là c'est très très récent, mais est-ce que vous avez eu des retours des auteurs qui sont passés, est-ce qu'ils vous ont remercié, est-ce qu'ils ont pu changer des choses, est-ce que, enfin bien sûr ils vous ont remercié, mais est-ce que vous avez eu des retours sur les... Ils nous ont craché à la gueule, merci pour tes conseils, casse-toi. Ils se prennent pour qui? Non, mais si, bien sûr, enfin j'espère qu'ils vont s'améliorer. Ah, ça après l'exercice, un petit conseil quoi. Voilà, l'exercice n'était pas facile non plus pour eux, pour nous. Ouais, c'est pour eux, pour nous. Se poser la critique. Ouais. Et un bon entraînement, je trouve. Voilà, il y a du monde aussi sur le stream quoi. C'est, bah, c'est ça, c'est en public. Pour votre dossier machin. Donc franchement, c'est trois jeux. C'est hein. Ouais. Et ils ont joué le jeu. Rien que déjà ça, je trouve que c'est bien et ça prouve une certaine maturité aussi, je pense, vis-à-vis de son travail. Donc je pense que ces gens-là ouais, sont prêts, en tout cas, à accepter les critiques d'un éditeur. Ouais. Voilà. On ira de Jean-Kévin, de Twitter. Ouais. Bah, y a Ayaluna, justement, qui a participé à une émission, il me semble, qui dit que c'était super cool, les conseils. Ah, c'est très gentil. C'est alors qu'elle n'en pense pas, elle ne le pense pas du tout. Mais bon, c'est très gentil déjà de le dire. Voilà, si ça a pu te servir, bah, écoute, c'est top. Quoi. Nickel. On va prendre ça pour parler d'évangile. Hein. Et voilà, si ça peut vous servir, en tout cas d'ouvrir des pistes auxquelles vous n'auriez pas encore pensé ou exploré, voilà, c'est, bah, nous, c'est, pour nous, c'est gagné, quoi. Donc, voilà. Et d'où est Ayaluna? Et ben j'en profite justement, comme on est sur la... Là, on va être sur les dernières 10 minutes, le dernier petit quart d'heure de l'entretien. Si vous avez des questions... dans le chat, soit sur le métier d'auteur, mais aussi sur des conseils si vous êtes vous aussi jeune auteur, n'hésitez pas, on va prendre toutes les questions là pour finir. Et en attendant que vous posiez vos questions, j'en profite pour faire un peu de promo aussi. Donc Guillaume et Alex sur leur chaîne In the Basement Studio, je crois, si pour être précis. Si vous êtes sub à la chaîne, si vous prenez votre abonnement chez eux, sur le mois de décembre, il me semble qu'ils reçoivent forcément un dessin de la couverture. C'est la page titre, mais c'est pas très grave. Ça sera un print en noir et blanc, très bien imprimé, c'est pas, et dédicacé de la blanche main de votre obligé que je suis, directement envoyé chez vous par l'intermédiaire de tous les facteurs que je connais personnellement. Comme le Père Noël aussi, je crois. Tu le connais, tu l'as invité chez toi. Le Papa Noël, bien sûr. Sa grande Oupland. Oui, évidemment. Voilà, donc, bon, c'est un petit cadeau parce qu'ils ont été particulièrement généreux. On s'attendait absolument pas à avoir autant de personnes qui s'aident. Donc, il fallait bien faire quelque chose. Merci. J'ai hésité entre un dessin de moi et un dessin d'Alex. Ça s'est vite résolu en un dessin de moi. Bon, il n'y aura même pas de décor d'Alex dessus? Si, mais en tout petit. Monsieur, il a dessiné des trucs devant. Alors. Ah oui, et Long Samel qui est présent, là, il a eu le giveaway des 50 viewers. Donc le prochain giveaway, ce sera 100 viewers. On n'y arrivera jamais, mais bon, prochain giveaway. 100 viewers, je crois. Espérons. On a besoin d'assistants. Ouais, je voudrais bien remplacer Alex, s'il te plaît. Punaise, ce mec. Oh, punaise, c'est pas possible. Mais je l'ai dit, je voulais te le dire le jour de Noël, mince. Non mais c'est pas grave.
Tu vas recevoir ma fouine crevée dans le... Attends, si la poste arrive à te la livrer, c'est bon. Ah là, c'est bon. Comment gérez-vous le rythme de vos travaux? C'est un truc qui me pose problème. J'ai aucun recul sur le rythme des événements. Est-ce que je vais trop vite, pas assez, en mode... Alors, Néal, ça dépend si t'es en cours de série ou si tu fais ton premier bouquin. Quand tu fais ton premier bouquin, ça ne sert à rien d'aller vite. Personne ne t'attend. Ouais, voilà, personne ne t'attend. Donc, au contraire, soigne tes planches, quoi. Ouais. Il y a tes followers qui vont sûrement qui vont dire « Ah, je veux trop ton truc, là. » Ton premier bouquin. Ton truc, là. Pardon, désolé, je suis fatigué. Ton premier bouquin. Mais... Voilà, prends le temps. La véritable pression, elle est à partir du tome 2. Parce que tu as sorti quelque chose de quali, les gens commencent à l'acheter, trouvent ton univers intéressant, ils trouvent ton dessin somptueux, mais ils veulent la suite vite, parce que ce sont des amateurs de manga. Et donc le deuxième, tu dois faire la même chose, en mieux, évidemment, ouais. Et plus vite. Et la véritable grosse pression, c'est à partir du moment où ça marche beaucoup. Voilà, l'éditeur, il te met la pression de ouf. Hein. Mais il te faut 4 bouquins dans l'année, et ça doit être tip-top canon. Ouais. Donc voilà. Mais le premier, prenez votre temps. Prenez votre temps, faites les choses bien. Ah, du rythme narratif, pas de la prod. Ah, le rythme narratif. Voilà, c'est, on peut pas donner de... Ouais, après, c'est... Ouais, comme ça, c'est de juger, de donner conseil. Ouais, ouais. Si tu dois dessiner un papillon qui vole à travers une fenêtre, évite de le faire sur 20 chapitres. c'est un conseil c'est à la loi. Extrême, quoi, c'est... Toujours les extrêmes. J'en profite parce qu'on en parlait l'autre jour sur un live du dimanche soir. Mais pour le narratif, il y a aussi des bouquins qui existent de scénarios. Je pense à Robert McKee qui a sorti Story, qui est très bien pour la gestion des actes, pour tout le scénario. Il y a aussi McCloud qui a sorti pour au niveau de la BD, ouais. Will Eisner aussi, les bouquins. Est-ce que vous avez des bouquins qui vous ont formé vraiment au métier? Alors, scénario, non, parce que je pense que le scénario, alors c'est très bien si vous lisez des livres de ce genre-là, comme Anatomie du scénario, par exemple, puisque tu l'as pas cité. De Trouby. Il y a celui-là également. Voilà. Ça peut vous aider, je pense. Ce sont des outils, hein, comme des outils de savoir, comme n'importe quel outil. Je pense que quand même, ce qui remplacera jamais tout ça, c'est... Enfin, regardez plein de films, ouais, jouez à plein de jeux vidéo, lisez plein de mangas, plein de romans, et arrêtez de les regarder pour les regarder, étudiez-les plus. Pourquoi l'auteur il a choisi tel plan? Pourquoi l'auteur il a fait telle scène? Pourquoi le réalisateur il a choisi tel truc? Les couleurs, machin, bon, voilà. Après, au niveau du dessin, j'avais des bouquins d'anatomie de Bernd Hogarth, qui sont des anatomies classiques. J'ai eu une figurine d'Evangelion articulée qui m'a servi de faire mon premier mannequin, quoi. C'est comme ça que j'ai appris. Perspective Otomo, quoi. Il était mentionné Toyotaro. On a une question de Dams. Pour vous, comment bien faire un premier chapitre? Premier chapitre, il doit donner envie de lire la suite. Ouais. Il doit donner envie de lire le second. J'ai lu très très tard Demon Slayer. La semaine dernière. Ça m'attirait pas du tout. Hein. Voilà. Je l'ai quand même lu, premier chapitre de 55 pages. Ça m'a donné une furieuse envie de lire la suite. Je suis rentré dedans. Et ça, il y a ce côté magique, et tu sais pas comment l'expliquer. Bah, pour faire un bon premier chapitre, on peut te dire la technique de base. Hein. Il faut une bonne exposition, il faut un personnage qui plaît aux gens, il faut de l'action tout de suite si c'est du shonen, ou qu'on saisisse tout de suite l'univers dans lequel on est. Ça doit être très très clair, quoi. Et surtout, il faut mettre un climax de malade. Et généralement, il faut avoir un bon principe de départ. Voilà. Mais tout ça, c'est très impalpable. Il est bizarre, ce premier chapitre. Il n'est pas palpable. Ouais, oh, il est pas palpable. C'est compliqué, tu vois. C'est compliqué à expliquer les histoires. Pour moi, si t'as d'un côté le dessin qui est ultra technique, quand tu sais faire une perspective, tu la sauras toute ta vie, comme faire du vélo ou monter un personnage. Par contre, le scénario, pour moi, c'est vraiment... c'est particulier, quoi. Ça dépend. Pour moi, le vrai talent, il est là. Il est dans l'écriture du scénario. Il n'est pas dans le dessin. Bien palpable. D'ailleurs, ça, c'est aussi souvent ce qu'on envoie à l'éditeur dans un dossier d'édition. C'est une partie où le premier chapitre. Et c'est ce que les lecteurs...
c'est la première impression qu'ils ont de l'œuvre, en fait. Après la couverture et le résumé, c'est la première impression, quoi. Les premières cases, les premières pages. Alors, je suis désolé, ça m'a ressorti de la conversation. Je vais récupérer Guillaume et Alexandre, pardon. Je vous récupère, les gars. Désolé, ça a changé de canal tout seul encore. Il y avait une question. Alors, je vous remets en haut-parleur. Excusez-moi, les gars. Il y avait une question. Ça vaut vraiment le coup, le papier Kent versus le papier classique? Est-ce que c'est plus confort? Oui, l'association plus j'ai, papier d'éther et l'équipilote, là, j'ai jamais connu mieux. Il n'y a rien qui part quand tu gommes. Tu peluches pas. Les traits sont nets. Enfin, c'est royal. Ça coûte un peu cher. Mais bon. Quand normalement, quand t'es auteur pro, que t'as pas les pages, c'est assez vite rentabilisé quand même. Comme tu vis dans un palais, t'as forcément les moyens. Voilà. Oui, bien sûr. Quand tu fais 26 000 exemplaires au premier tome. Ouais. Ma carte personnelle va chercher le papier Kent directement au Japon. Ombre dorée, si on crée une histoire de type tranche de vie, comment la rendre intéressante? Alors là, tranche de vie, le secret est dans les personnages. Si ton public adore les personnages, il continuera à suivre ta série. Donc il faut que tu rendes tes personnages intéressants, et là on rejoint le côté, n'y a pas vraiment de règles. Il y a des scénaristes qui disent que pour faire un bon personnage, il faut que tu t'inspires de ce qui t'entoure. Tu pars du principe que personne dans ton entourage qui pourrait faire un bon personnage. Mm. Et surtout, essayer de... C'est compliqué, il faut être un peu schizophrène quand on est scénariste. Parce qu'il faut faire en sorte que ton personnage réagisse en fonction de son caractère et non pas de ce que tu auras décidé qu'il va faire. À partir du moment où tu as bien réussi ton personnage, il commence à vivre tout seul. Il commence à prendre ses propres décisions. Ouais. Et tu vas te dire en écrivant, il ne peut pas faire autre chose que ça. Puisque c'est ce personnage, c'est ce caractère-là. Voilà, faites attention à la cohérence de vos personnages. Après, l'intérêt, je sais pas. Faut qu'ils fassent des choix par eux-mêmes, quoi. Ouais, ouais. Si tu veux faire un manga, enfin, peu importe le style de manga que vous voulez dessiner ou écrire, faites le manga que vous aimeriez lire, vous, qui n'est pas encore disponible sur le marché. Qu'est-ce que vous aimeriez lire, vous? Quel genre d'histoire ça vous plaît? Quel genre de personnage vous plaît? Et là, vous allez vous débloquer des trucs. Quel genre de méchant vous plaise? C'est plutôt ça qu'il faut se poser comme question. Mmh. On a Obo qui rajoute « Il faut qu'on aime autant les défauts que les qualités du personnage, c'est clair. Ce qui fait la faiblesse de ton personnage fait sa force. » Oui, son côté humain. Le fait qu'il fonctionne. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et qu'ils échouent aussi. Ils font pas que réussir. Oui. Ah oui, ils galèrent. Oui. Faites-les galérer, faites-les souffrir. C'est bien d'être auteur, c'est... on évacue des pulsions. Il faut donc se renseigner sur les différents comportements humains. Ouais, après, tu sais, rien qu'en... Enfin, c'est ce que tu disais, Guillaume, si je me trompe pas, mais rien qu'en vivant, rien que dans ton entourage, rien que dans tes amis, tu vas trouver des comportements qui sont finalement... Tellement ils sont personnels, ils sont universels, en fait. Si je peux me permettre, bien sûr. C'est ça. Et aussi une question que j'ai pas trop posée non plus, mais t'as beaucoup travaillé avec Rémi Guérin au scénario, et tu dis, enfin tu l'as redit ici, mais tu le disais souvent dans les interviews que le plus grand, comment dire, pas le plus grand talent, mais le plus grand travail, c'est au niveau du scénario, parce que si le lecteur aime pas l'histoire, il aimera jamais le manga. Oui, c'est vrai. Du coup, qu'est-ce que... Responsabilité, c'est le scénario. Qu'est-ce que toi, ça t'a fait du coup de bosser maintenant, même si c'est une adaptation, de bosser sur le scénario et tout seul sans l'appui de Rémi qui le faisait avant? Ben, je mouille des t-shirts quand je fais les storyboards. Tout simplement. Non, mais oui, évidemment. Vous achetez le tome 1 d'une série parce que le dessin vous plaît. Vous êtes dans la librairie, vous feuilletez, et le dessin vous plaît, donc vous le prenez. Et vous achetez le 2, le 3, le 10, le 20, le 50, le 72, parce que l'histoire vous plaît. Ouais. Voilà. Donc la plus grosse responsabilité, c'est le scénario. Prenez le temps de faire bien votre scénario, et ensuite prenez le temps de bien le dessiner. Ça paraît simple, hein? C'est facile, c'est ce qu'on disait hier, on va vendre un kit de formation en 2 heures.
à 600 € ou quelque chose comme ça, un truc abordable, quoi. Il y a quelqu'un de ce genre-là qui m'a demandé sur je sais plus quel réseau social de devenir sponsor de son truc. J'ai dit bah, ça va pas la tête. De formation pour les mangaka et puis quoi encore. Bref. Bon courage à tous et bonne continuation à Guillaume et Alex. Merci à Taro, merci d'être passé. Merci, merci beaucoup. Bah, je pense qu'on est sur la fin. Si jamais il y a une dernière question, on la prend. Mais on va tout doucement conclure l'entretien, si ça vous va. Sauf si vous voulez rester des heures. Moi, je pourrais pas rester, mais je peux vous laisser le live toute la soirée. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est très sympathique. Merci beaucoup. On reprend ce soir, donc voilà. Là, maintenant, les briscards de Twitch. Ben, en attendant la dernière question qui va arriver, je suis sûr, je tenais encore une fois à vous remercier au nom du Keep on Dream. C'est vraiment sympa d'avoir accepté l'invitation et de venir ici. C'était d'autant plus, comment on pourrait dire, pas non plus émouvant, mais presque de vous avoir, alors que moi-même j'étais fan de City Hall il y a des années. Merci, merci pour toute votre carrière. Oh là là. Et place à Jeanne. Non, merci. Merci non, à mais, toi en tout cas. Franchement, merci. Ouais. Pour ce rendez-vous là, franchement, c'était sympa. J'espère que ça a pu servir aussi à d'autres personnes, entendre. Si ça peut servir tout ça. D'ailleurs, la rediffusion du live sera sur YouTube. Et les gars, vous devez battre Christophe Cointeau, qui avec Windfighters, quand il était venu nous parler du tome 2, il a dépassé les 120 ou 130 vues, je crois, sur YouTube. Donc maintenant, c'est à vous de le faire. Je vais pirater des comptes IP, t'inquiète pas. On est toujours ému de parler à Guillaume. Ouais. Merci beaucoup de passer en même temps sur la chaîne Twitch. Bah ouais, abonnez-vous. Et Oui, j'entends les alertes de loin. Merci Dan. Et d'ailleurs, on va essayer avec le Keep On de faire quelque chose. Enfin, tous les mercredis après-midi, soit on a un auteur auto-édité qui vient nous parler de l'auto-édition. Soit on a un auteur pro qui vient nous parler d'une sortie manga. Donc on sait qu'on a Gero, on en a d'autres qui vont arriver aussi. Je pense qu'on peut prévoir pour la sortie du tome 4 peut-être encore une fois Guillaume et Alexandre si vous êtes si vous voulez venir. Nous il y a si on vous a pas trop saoulé, ouais. Il y a pas de souci. Et puis bah bien sûr Elsa dès que son projet est lancé et qu'elle peut en parler. Nous ça sera avec un plaisir de la recevoir. N'hésitez pas dans le chat aussi à nous mettre ou à nous envoyer sur Twitter ou sur Insta des idées, des noms pour les prochaines fois à taguer les personnes, on ira directement les contacter. En tout cas, juste après je vous laisse le mot de la fin Guillaume et Alexandre. Nous en tout cas on était vraiment contents de finir l'année au niveau du Keep on Dream avec ce dernier live, parce qu'on en fera pas trop avant, pas d'autres, pardon, avant la reprise en janvier. On est vraiment content parce que le Keep On va avoir 7 ans. J'en profite d'ailleurs, ceux qui veulent faire un petit dessin pour les 7 ans, n'hésitez pas à nous envoyer ça sur Twitter, sur Insta ou sur notre mail. Donc le Keep On va avoir 7 ans là à Noël. On avait fait une petite pause d'un an et demi, 2 ans, et on est revenu seulement cet été. Avec 4 ou 5 mangas publiés quotidiennement, enfin hebdomadairement pardon, sur Draft. On va continuer sur 2021 avec de nouvelles séries, et donc on va être à 6 séries publiées, donc une série chaque jour dans la semaine. Donc tout ça c'est grâce à vous, vous avez répondu présent, vous êtes là à nous suivre, vous êtes là à follow et vous êtes là à être là sur les lives sur Twitch. Merci beaucoup encore une fois. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et je laisse le mot de la fin à Alexandre et Guillaume. Salut à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci aussi encore une fois à toi pour cet instant passé. C'était bien sympathique. Et puis, bah, écoute, ouais, aussi le. Au plaisir.
compliments et puis le bonne fête également, passer de bonnes fêtes. Oui. Guillaume, à toi. À bientôt. Des bisous. Des bisous.